Rita Pinto, de ce fait, ne sera pas représentée, est absente, et le pouvoir de l'interprète a été donné à M. Jacob Carmichael. Avant de démarrer, je vous informe que le point numéro 11 est retiré de l'ordre du jour. En deux mots, j'avais reçu la demande d'un riverain concernant des problèmes de distribution de courrier sur le chemin qui donne accès au jardin de Lily, vu que ce chemin n'était pas nommé. Donc, mais après recherche sur le cadastre, il s'avère que ce chemin est une voie privée, donc nous n'avons pas à nous prononcer sur le sujet. Puis, je vous informe que nous inverserons les points 8 et 9. Alors, bah, c'est ce qu'on va nous proposer. Il faut qu'on nous propose quelque chose avec un numéro. Alors, concernant le compte-rendu de la séance du 23 juin 2015, donc il y avait des coquilles qui ont été corrigées. Y a-t-il des observations concernant ce compte-rendu ? Oui, moi je trouve qu'il manque des éléments sur l'existence des débats. On voit de vifs échanges, mais on ne voit pas. D'ailleurs, ce ne sont pas de vifs échanges quand il y a monologue. Et on ne voit pas les débats figurés avec les vrais sujets de fond. On voit des anecdotes, mais pas les vrais sujets. Donc à ce titre, les saints et moi ne sont pas informés et le compte-rendu... Le compte-rendu n'est pas un journal de débat, mais nous notons votre remarque. Mais l'existence même des débats ne figure pas systématiquement. D'autres remarques ? Je ne répéterai pas les mêmes comme je vous à chaque séance. Hein, mais bon. C'est gentil. Le compte-rendu n'est effectivement ni un compte-rendu ni un procès-verbal. Attends, tu ne le répétais pas. On attribuera, on reparlera du compte-rendu de la différence, car j'aurai une annonce importante à vous faire. Enfin, je voudrais quand même revenir sur un autre point qui me paraissait important, c'est que la contestation sur la légalité du compte de gestion auquel il manquait le rapport sur la formation n'est pas précisé non plus. Très bien. Sur le compte administratif, pardon. Et le fait que le compte de gestion n'ait pas été présenté en séance. Mais devait faire l'objet d'une séance à part que nous avons acceptée. Mais qui ne s'est pas produite. C'est noté. Qui est cet accord de séance ? Attends, c'est nous après. Chaque fois dans son temps, monsieur, c'est écrit dans l'ordre du jour. Nous allons désormais désigner le secrétaire de séance. Je vous propose Marie-Charlotte Luthier pour changer. Un autre point quand même sur le compte-rendu, sur les questions diverses. Quelques points ont été abordés dans le compte-rendu, mais il y a les réponses sans les questions. Donc, c'est pas très facile de comprendre a posteriori de quoi il retourne. Et si on ne veut pas poser une deuxième fois les mêmes questions, ce serait bien de clore le sujet clairement. Si on ne veut pas poser deux fois la même question. Oui, parce que vous avez les réponses, mais les questions. Pas les questions en vous France. Avez les réponses et pas les questions. Ouais. Vous savez plus à quoi correspond la réponse. C'est ça. Bah oui, en plus, nous étions plusieurs à poser des questions. Certaines questions de M. Jacob Carmichael ont eu une réponse, pas les miennes, mais on ne sait même pas dans quel ordre, on ne connaît pas les questions. D'accord. Donc j'en reviens à la désignation du secrétaire de séance. Je vous propose Marie-Charlotte Pitié. Y a-t-il des oppositions ? Moi, je suis volontaire. Enfin, je demande s'il y a des oppositions, je ne demande pas s'il y a des volontaires. Normalement, tu dois demander s'il y a des volontaires, et en absence de volontaires, tu nommes quelqu'un. Mais tu moi, peux proposer la candidature de. Oui. Pour le moment, si tu veux bien, on va répondre à la question que j'ai posée. Donc, y a-t-il des oppositions à la proposition de Marie-Charlotte, la secrétaire Je propose. Moi, je suis volontaire, pas elle. Donc, mais si, je la propose, c'est qu'elle est volontaire. Donc, si vous voulez, si vous préférez, on va lui demander de l'exprimer elle-même. Voilà, elle est volontaire. Y a-t-il des oppositions ? Tout à fait. Oui. Et alors, à ce niveau-là, je résiste. Mais c'est lié au premier point sur la qualité du compte-rendu. Enfin, logique avec soi-même. Combien d'oppositions ? Bah, au moins deux. Voire trois, parce qu'on va changer de secrétaire. Hein. C'est pas gênant. Oui, on peut aussi garder la même. Oui, tout à fait. Voilà. Tout est possible. Par contre, en abordant ce point-là, je voudrais préciser les choses que les salariés m'ont posé la question.
C'est sur la présence du secrétaire de mairie. Alors, je ne sais pas votre nom, madame, mais je m'appelle Carole. On peut peut-être finir le sujet. Oui, mais c'est important parce que ça joue beaucoup avec le secrétaire des séances. La présence du secrétaire de mairie, donc je le dis pour les Saint-Germains qui m'ont interrogé, elle peut tout à fait assister au conseil. Dans quel cadre? Le conseil municipal peut adjoindre au secrétaire de séance, donc qui serait, suivant le vote que vous allez avoir, Marie-Charles Putier, des auxiliaires pris en dehors de ses membres. En application de cette démarche, le maire peut tout à fait demander à madame la secrétaire de mairie d'exercer la fonction d'auxiliaire. Il est rappelé que celle-ci doit s'exécuter, ainsi que prévoit l'article machin. Cette fonction inclut le compte-rendu des débats. Donc, madame la secrétaire de mairie, vous êtes chargé d'assurer... Non, c'est pas du tout cette interprétation-là qu'il faut donner. Je vois où vous avez été trouver ça sur Internet. Ah bah moi, je lis... Non. Ah. Ce qui est... Il faut aller aux articles de loi. Ce que cela dit, simplement, que l'article 28, effectivement, c'est que madame Carole Picon a devoir d'obéissance et doit exécuter lorsqu'on lui demande de faire effectivement le compte-rendu, mais ça n'implique pas une obligation pour le maire de demander à madame Picon de faire le compte-rendu. Alors, si madame Picon assiste au conseil municipal en dehors de ses fonctions de secrétaire générale, elle est dans le public comme tout le monde. Si non, elle est là. Écoutez, ce n'est pas à l'ordre du jour. Là, la question à laquelle je vous demande de répondre, c'est y a-t-il des oppositions à la proposition pour Marie-Charlotte Putier d'être secrétaire de séance ce soir? Nous avons noté 3 oppositions. Non, mais à quel titre, point. Madame Picon, n'y voyait aucun non, non, personnel. Mais, à quel titre, madame, assiste donc, était présente à la salle du conseil, madame Bois? Si, il a dit que quand même, il avait le pouvoir de madame Lapierre s'opposer aussi à cela. Pardon. À quel titre madame Picon est donc présente autour de la table ce soir? Madame Picon est présente en tant que secrétaire de mairie. D'accord, donc si elle est présente en tant que secrétaire de mairie, comme l'exigent les statuts de la fonction publique, comme le permet d'ailleurs votre... Elle se doit d'assurer le compte-rendu du conseil. Eh bien, écoutez, ça c'est votre façon de voir les choses, pas la mienne. On ne va pas polémiquer, ça va, je pense qu'on a assez débattu sur la nomination du secrétaire de mairie, on ne va pas y passer une demi-heure. Excusez-moi, c'est des Saint-Germains qui s'intéressent au fonctionnement d'un conseil municipal. Il est vrai oui, qu'il s'agit de maladie. Vous leur donnerez ma réponse. Bah, ils l'auront. Normalement, il y a des Voilà. Donc nous allons voter pour pouvoir nommer notre secrétaire de séance. Ben, on a voté puisqu'il y a 3 oppositions. Qui s'abstient? Qui est pour? Donc Marie-Charlotte Putier est désignée secrétaire de séance. Nous allons maintenant passer au premier point qui concerne les délibérations concernant l'amortissement des immobilisations. Donc, concernant ce premier point, je vais donner la parole à Patrick Ratel, adjoint à l'urbanisme. Alors, ce point, en fait, c'est relatif à un projet il y a quelques années, 2-3 ans, sur la résidence Kaufmann. En fait, sur la résidence Kaufmann, quand on a réalisé le projet, nous avons touché de l'État une subvention du CEDOR pour construire des logements sociaux. Et nous pouvions donc reverser une part de cette subvention de l'État au constructeur afin de bénéficier de l'attribution de logements sociaux en plus. Et donc la mairie a décidé d'attribuer 70 000 euros au constructeur pour avoir 2 logements sociaux supplémentaires. Donc ces 70 000 euros, en fait, on les a payés au constructeur. Par contre, le Trésor public nous demande d'amortir cette somme, c'est-à-dire de ne pas l'intégrer totalement dans les comptes en une fois, mais de l'amortir sur une durée maximum de 5 ans. Donc l'objet, en fait, de délibération, c'est d'établir la durée de l'amortissement. Donc en fait, sur 5 ans, c'est-à-dire que les 70 000 euros, en fait, ça veut dire qu'on amortit 14 000 euros chaque année. Mais les 70 000 euros, c'était en rapport avec la construction qui ne se fait pas? Non, Kaufmann. L'autre. Ah, Kaufmann. Le bâtiment qui est en avant. À quelle année c'était ça, M. Ardenne? C'était au moment avant la construction Kaufmann.
Dans les pièces dont nous avons eu connaissance dans le dossier, il est précisé logement francilien. Oui, parce que c'est le gestionnaire et le logement francilien, le constructeur. Et par ailleurs, cette même fiche mentionne bien non amortissable. Alors si la, moi je suis un petit peu comptable, si la dépense a été enregistrée comme charge en 2012, 2011 Oui. 2013. 2013, donc il y a 70 000 euros de surproduit à réinfecter dans les comptes d'aujourd'hui. Ça doit s'apporter bien. Ben en fait, comptablement, c'est ce qu'on va voir, c'est que on va affecter 14 000 euros chaque année. Et, comme en fait, on a deux années à rattraper. Oui, mais en 2013, la comptabilité de cette dépense, elle a bien été faite en charge. Oui, elle a été faite en charge. Et donc, on a bien les produits, une différence produit-charge sur la, au 31-12-2013, qui est plus de 70 000 euros. Plus 70 000, vu qu'on l'a porté maintenant. Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'on va aujourd'hui annuler, enfin, on va devoir, au cas où d'aller devoir comptablement parlant, annuler la charge qui avait passé en 2013. Oui. Donc, les comptes de 2013 ne sont pas les bons. Les comptes de 2014 non plus. Ah non, non. C'est, en fait, on a payé. Oui, voilà. Et puis on demande simplement maintenant d'immobiliser la somme. Oui, mais quand on paye en 2013, j'imagine qu'il y a une charge, il y a une comptabilisation de cette somme. Oui, on fait la régularisation justement sur les deux années passées, là, dans le budget supplémentaire. Oui, mais ça sous-entend, enfin, qu'on soit bien clair qu'on amortit un bien, ça veut dire qu'on étale la charge sur 5 ans. Oui. Aujourd'hui, on peut penser qu'en 2013, cette charge a été comptabilisée intégralement sur l'année 2013. Oui. D'accord. Donc, si aujourd'hui on amortit 14 000 euros et les deux années, j'ai bien compris, 2014-2015, on aura une charge globale 70 000 plus 28 000. Si on n'annule pas, la charge passée en 2013. C'est un jeu d'écriture. Bah, qui coûte 70 000 euros sur le budget cette année. Bah, qui élève le produit de 70 000 euros sur le budget cette année. Bah, on va le voir tout à l'heure en budget supplémentaire. En fait, on a donc un gain de 28 000 euros dans la partie investissement qui revient sur la partie fonctionnement en dépenses. C'est comme ça que sont gérées les immobilisations dans les mairies. Non, mais les 70 000 comptabilisés en 2013. Vous comprenez ce que je veux dire ? En 2013, on a comptabilisé en charge 70 000 euros. Je sais, mais dans les sociétés, on a ce qu'on appelle le CAPEX, c'est-à-dire l'argent qu'on sort, et puis après, il y a une gestion des jumeaux en interne. Non, enfin, c'est la même gestion, enfin, c'est le même non, système. Non, c'est deux comptes séparés et ce qu'on présente. Non mais moi ce que je voudrais juste comprendre c'est à quel moment on régularise la charge passée en 2013 de la totalité, sachant que cette année on va doter les amortissements de deux années. En fait, c'est chaque année, qu'on va s'amortir. Il y a la dépense, je m'excuse monsieur Rattel, la dépense elle était comptabilisée en 2013, on aurait dû amortir en 2014. Oui. Et oui, mais donc elle n'a pas été comptabilisée. Elle n'a pas été comptabilisée parce que ça n'a pas été fait. Non, mais dans la fiche qu'on a consultée sur le bien comptable. Au moment où elle a été saisie, ça a été modifié quand j'ai préparé le budget supplémentaire. Mais il y a un bien non amortissable. Parce que toutes les dépenses, les seules dépenses amortissables pour une commune, c'est toutes les communes de plus de 3500 habitants. Sinon, c'est les budgets assainissement. Pour les petites communes, toutes les dépenses qu'on fait en investissement, c'est non amortissable. Cette subvention est arrivée, c'est un amortissement obligatoire, le percepteur l'a fait savoir. Donc la fiche en 2013, quand elle était saisie, c'était non amortissable. Je l'ai modifiée sur la fiche qui est modifiée, c'est amortissable sur 5 ans. Et il y a eu le tableau d'amortissement qui est ressorti à la suite de la modification. Mais oui, mais moi je enfin, mais maintenant, votre jeu d'écriture, les 70 000 y figurent en dépenses. Les 70 000 seront régularisés sur 5 ans. Donc il y aura la dépense de fonctionnement et la régularisation des 70 000, on la retrouvera sur 5 ans à l'article de recette qui viendra annuler l'article de dépense. Okay. 14 000. Voilà. Et on le verra après apparaître parce que les amortissements sont gérés au niveau du bilan. Donc c'est le comptable qui gère un petit peu le bilan de la collectivité. Au bout de 5 ans, on verra que le compte il sera remis. Mais il y a bien des écritures passées qui va annuler la charge passée en 2013. Nous, au niveau mairie, on fait le mandat de dépense et le titre de recette. C'est les écritures comptables qu'on fait. Après, c'est le percepteur qui fait le restant au niveau du bilan. Oui, mais enfin, en tant que salarié, on a dépensé, on a comptabilisé forcément oui, en 2013 oui, cette charge de 70 000. Cette charge n'en est plus une, donc c'est un investissement qu'on a amorti sur 5 ans. Mmh. Parce que là, on est d'accord. Quid de l'écriture de charge de 2013 ? Sinon, on a 70 000 euros qui va être en 2013, budget, en fait. Non, c'est ce que je vous dis. Toutes les dépenses d'investissement, quand elles sont amorties, on commence à les amortir sur l'exercice suivant. Ouais. Donc les dépenses de 2013, la première échéance d'amortissement aurait dû intervenir en 2014. D'accord, ça n'a pas été fait. C'est pour ça que le percepteur a fait une remarque au moment sur le compte de gestion. D'accord. Et on régularise ces deux années en sachant que l'année prochaine, il y aura l'amortissement de 14 000 jusqu'à ce qu'on arrive à 14 000.
Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'en 2013, on a quand même payé en charge et en dépenses, donc c'est 70 000, donc il faut bien donner pour pouvoir amortir ce bien, avoir ça en IMO. Dans ce cas-là, transférer la charge en IMO, oui. Et donc ça veut dire que le bilan présenté en 2013 n'est pas correct, il n'est pas le reflet exact. Non, mais en 2014, il faut donc qu'il y ait forcément une écriture qui va annuler cette charge pour la passer en IMO. Je suis d'accord, mais c'est comme pour les petites communes, les dotations aux amortissements, on ne les fait pas. Bon, il y a eu une petite erreur là-dessus. Elle est régularisable, et puis c'est bon, je veux dire. C'est la seule observation, donc il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de problème. Je vous lis la déclaration. Donc, vu la section budgétaire et comptable 2014, vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2321-2-28, considérant que les subventions d'équipement versées vers les collectivités imputées à la subdivision intéressée du compte 204 sont obligatoirement amorties dès l'année suivante sur une durée maximum de 5 ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé ou de 15 ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public. Bien d'un organisme privé. Entendu l'exposé et après avoir délibéré par. Choisi l'amortissement linéaire et décide de fixer la durée d'amortissement à 5 ans à partir du 1er janvier 2014. Qui est pour ? Tu commences toujours par moi, c'est plus facile. Qui s'abstient ? Moi. Enfin, d'ailleurs, Mme Lapierre aussi, du coup. Très bien. Nous allons passer au point suivant, qui est le remboursement d'une facture pour le judo club. Alors, il s'agit d'un vieil accord. Ça concerne le remboursement de 5 tatamis dans la salle Mazard, qui est aujourd'hui utilisée. C'est un vieil accord parce que cette salle est utilisée par l'école, la garderie, le centre de loisirs, le judo, évidemment, le théâtre, le taekwondo, je pense n'avoir oublié personne. C'est une facture qui s'élève pour 5 tatamis à 525 euros. Y a-t-il des questions ? Je me cite. Lors de l'attribution des subventions, il a été dit, alors l'adjoint en charge de l'association a dit la subvention judo pour aider à payer les tatamis. Non, elle n'a pas dit ça parce que j'ai réécouté la bande et j'ai pas dit ça. Il semblerait qu'il ait été dit en tout cas. Non, ça n'a pas été dit parce que j'ai vérifié. Alors qu'est-ce qui a été dit ? Je n'ai pas parlé dans cette séance-là. Ça avait... On n'a pas parlé de tous les tatamis ? Non. Dans les tableaux, effectivement, figuraient les tatamis comme à la charge de la commune, suite à accord, effectivement. Mais je n'ai jamais dit que les tatamis étaient pris en charge par la subvention. Cette année, avant, c'était délibéré, si vous vous souvenez bien, on était là tous les trois, membres des bureaux escales, à l'occasion à l'occasion de la création du taekwondo. Il y avait un partage à gérer au niveau de la salle Mazard. Exact. Il y avait une réunion en mairie et il avait été défini, pour pas qu'il y ait de problème d'utilisation des tatamis, que les tatamis seraient pris en charge par la mairie, à hauteur de quelques tatamis, en fait, en sorte qu'ils étaient usés. Et il avait été fait le choix au départ de mettre une subvention supplémentaire sur la subvention qui était dissociée de la subvention annuelle versée au judo club. Très bien. Bon, je vais venir à la délibération. Madame le maire expose au conseil municipal que le judo club de Saint-Rémy-l'Honoré a acheté 5 tatamis pour un montant TTC de 525 euros. S'agissant d'un renouvellement partiel de matériel, Madame le maire vous propose que la dépense soit prise en charge par la commune et demande au conseil municipal de l'autoriser à rembourser l'association. Donc le conseil municipal autorise Madame le maire à rembourser la somme de 525 euros au judo club de Saint-Rémy-l'Honoré et dit que la dépense correspondante sera prévue au budget supplémentaire article 65-74. Qui est pour ? Et alors, par contre, une abstention, en ce qui me concerne, il y a un pour moi et puis une abstention. C'est l'abstention de Madame Lapierre, d'accord. Point suivant, approbation du budget supplémentaire. Je vais donc repasser la parole à Patrick Chaffet, l'adjoint aux finances. Bien, donc le budget supplémentaire, c'est de la troisième phase budgétaire de l'année. Pour rappel, nous avons fait le budget primitif en début d'année. Nous avons fait au mois de juin.
le compte administratif qui a permis de dégager les sommes restantes du budget de l'année précédente. Et donc, cette troisième phase, c'est donc, le budget supplémentaire, c'est-à-dire l'affectation des sommes dégagées au mois de juin dans les différents budgets d'investissement, de fonctionnement et d'investissement. Donc, pour rappel, au mois de juin, on avait donc, identifié 363 000 euros dans l'investissement et 339 000 euros dans le fonctionnement. Nous avions pris également une décision au mois de juin d'affecter 190 000 euros à la section d'investissement, donc de transfert du fonctionnement de l'investissement. Donc, alors, juste, je donne les gros chiffres, parce que là, quand on va prendre le budget supplémentaire, que j'ai mis quelque part, voilà. Si vous prenez, en fait, la page 3, juste pour présenter quelques gros chiffres, donc vous voyez tout en bas, en fait, on a un total de budget d'à peu près 700 000 euros, c'est qu'on retrouve ici les sommes dégagées au mois de juin, et la répartition entre le fonctionnement, qui est donc, de 149 569 et les 580 000 euros sur la section d'investissement. Donc voilà, il s'agit dans ce budget supplémentaire d'affecter ces sommes. 149 569 dans le fonctionnement et 580 000 dans l'investissement. Ensuite, je vous propose d'aller à la page 9, directement dans les détails. Pourquoi vous dites ça Il s'agit d'appliquer ces sommes. Oui. Le budget supplémentaire sert à affiner la gestion de la commune. Oui. Il n'y a pas. Si j'entends ça, je comprends, bah, tiens, il y a 580 000 à dépenser d'investissement. C'est pas tout à fait ça. J'ai dit affecté. Oui. Oui. Mais vous allez voir que c'est affecté des fois sur des lignes vides. Il faut simplement les remettre dans le budget. Oui, voilà, c'est parce que... Affecté, j'ai dit. Tout à fait. Mais pas non. Forcément de dépenses derrière. D'accord, sur une ligne vide. Alors, la page 9. Donc vous avez trois colonnes, vous avez pour mémoire donc, le budget primitif fait au printemps, et une colonne proposition nouvelle, qui est proposée ici, et puis ensuite une colonne vote de l'Assemblée qui est la même que la proposition nouvelle. Alors je ne vais pas passer sur toutes les lignes, hein, je vais m'arrêter essentiellement sur quelques lignes. Alors, la ligne alimentation, l'article 60-623, donc nous vous proposons d'ajouter 2000 en fait, au budget du printemps, notamment parce que nous n'avions pas inclus les cadeaux de Noël qui vont être faits en cette fin d'année. Voilà, ensuite. Donc ce budget-là, par exemple, ce poste-là, pardon ? Alimentation. Oui. Le budget global pour l'année 2015 est donc de 9 000 euros. C'est ça. D'accord. Et alors ça correspond grosso modo à quoi ? Pardon ? Alimentation, c'est quoi alimentation ? Alimentation, c'est tout ce qui rentre dans cette ligne, c'est-à-dire que les goûters. Les goûters du périscolaire ? Oui. D'accord. Et puis les cadeaux, donc vous parlez des repas des anciens. Ça rentre dedans ? Cadeaux des anciens, oui. Dans l'alimentation ? Oui. Et grosso modo, c'est tout. Oui, j'ai pas la liste là. Non, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre dans l'alimentation ? Bah, grosso modo, c'est tout. Oui, je regarde. On va pas passer en... Tout ce qui est service de cantine, etc., n'a rien à voir là-dedans. Non. Donc, non. À part le goûter, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Oui, il y a les fournitures TAPS. Les quoi, pardon ? Non, pas l'alimentation. Alimentation. Donc alimentation, centre de loisirs, goûter, baguettes. C'est grosso modo les goûters. Oui. Enfin, il y a des choses, sauf parce que vous m'expliquez, il n'y a plus à avoir dedans. Et le repas des enfants, la vie. Oui. Voilà, ensuite, donc une ligne maintenance, l'article 61-56,
Donc, Carole propose en fait cette augmentation parce qu'elle a fait un prorata entre les 9 mois passés et les 3 mois restants. Et puis, donc, par rapport aux dépenses, elle juge qu'il faut rajouter 3 000. Donc, nous proposons de mettre un peu plus en dépenses. C'est tous les contrats de maintenance? Oui, c'est les maintenances copieurs, maintenances. La citerne de. Un arc pédagogique que nous avons fait réparer récemment. La ligne 62-26. Et alors, je fais une petite question, monsieur Arthur, c'est intéressant. Vous avez dit Carole propose d'augmenter ce budget. Oui. Mais qui fait le budget? C'est Carole qui fait les propositions par rapport aux achats, et puis je vais on valide après en commission les propositions. D'accord. Bah, les chiffres qui sont annoncés là ne sont pas des chiffres en l'air, c'est-à-dire qu'on garde par rapport aux dépenses. Non, mais on peut penser que le budget se fait par les élus, indépendamment de l'aspect technique, et je comprends bien que madame puisse nous fournir des chiffres là, mais a priori, dire. C'est un peu surprenant de penser que le budget. Pas du tout, c'est le rôle aussi du secrétaire de mairie de préparer le budget. D'apporter les éléments permettant d'élaborer le budget, c'est non, pas tout à fait la même chose. En tout cas, ce sont les élus qui valident, c'est pas le secrétaire de mairie. Non, mais j'ai entendu M. Rassel dire Carole a fait le budget et propose deux. Alors, moi, je n'ai pas d'opposition à ça, mais je suis surpris. Ce n'est pas ce que M. Rattel a dit. M. Rattel a dit Carole a proposé. Ah, a fait une étude sur les dépenses écoulées et les dépenses qu'il reste pour terminer l'année et elle propose pour cette ligne ce montant. C'est en cohérence avec le budget dépensé l'année précédente. Exactement. Ensuite. Ensuite, la ligne 62-26, honoraire. Donc là, nous proposons une augmentation de 5 000 puisque nous avons dépensé déjà en fait la. Le budget primitif. Il s'agit notamment des honoraires d'avocats pour les différents contentieux en cours. Et alors, par contre, 18 200 euros, il n'y a que les avocats là-dedans ? Il y a les avocats, il y a. Généralement, 62-26, oui, c'est ça ? Avocats. Sauf erreur de ma part, on n'a pas voté une délibération à hauteur de 15 000 euros pour l'année 2015, pour le. De ce que je connais, moi. Et là, je vois 18 000 dans le budget, plus 5 000. Alors, qu'est-ce qu'on a donné comme autorisation ? On aurait voté ça, c'est-à-dire. Non, mais là, c'est ça, c'était. C'est possible. Là, oui, c'est vrai que le plus, vous voyez, je mettais aussi dedans. Il y a l'étude. Dans les honoraires, il y a le cabinet qui travaille pour. Donc, il y a 14 000 des poussières. Presque 15 000. Il y a la veille foncière, par exemple. Ah, ça ne suffit pas, alors. Non, mais si, ouais, alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce poste-là, précisément, monsieur Rattel? Il y a la veille foncière de la SAFI. Vous confirmez qu'il y a les prestations de service du cabinet urbaniste et enfin du cabinet de Caïdobel ou pas? Oui. Et donc dans les prestations de service, il y a quoi? Quelle ligne? De quelle ligne vous parlez? Je parle de la ligne. Contrat de prestation de service 28 700. La prestation de service est. 611. Les ménages? Non, ça y est. Non, les prestations de service, c'est les contrats avec les sociétés, je devais mettre les prestations de service. Comme les 62-26 et 62-27, c'est là où on sert pour payer tout ce qui est contentieux, les avocats. Oui, mais donc dans ce cas-là, a priori, ne peut pas figurer la facture du cabinet d'urbanisme. C'est pour ça que je pose la question. Non, alors je vous dis ce qu'il y a dans les honoraires. Ouais. Donc il y a la veille foncière, il y a les horaires de notaire. Il y a notamment le cabinet d'avocat Lando. Dans 62-26. Dans 62-26. Oui. D'accord. Alors les avocats, ça représente quel pourcentage là-dessus? Ou quel montant plutôt? Si vous avez le montant, ça va mieux. Là, il y a 4 000 euros d'avocat. Sur les 15 000 qui avaient été budgétés à l'origine. Oui, sachant qu'on doit récupérer de l'assurance. Pour chaque contention est assurée. Mmh. Mais c'est c'est-à-dire que donc on a pour cette année 18 plus 5, 23 200, dont 4 000 d'avocats, donc on a 19 200 de veille foncière et de notaire. Mais là, tu as le détail de l'année. Ouais. C'est ça. Mmh. Il y a 20 000 euros de veille foncière et de notaire pour l'année 2015. Mmh. Vous le confirmez? Oui. Ouais. Pour l'instant, il n'y a que 15 000 de dépenses. 5 000, il reste 3 mois.
Oui, mais là, dans le total, si ce que j'entends, ce que vous me dites est exact, on a grosso modo 4 000 euros de frais d'avocat. Donc j'imagine que ça correspond au contentieux Jaco. Enfin, il y en a peut-être d'autres. Il y a d'autres contentieux, oui. Mais avec un avocat. Oui. D'accord. Et là-dedans, est-ce qu'il y a pris le nouvel avocat? Pardon, est-ce qu'il y a pris le nouvel avocat? Non, c'est pour ça qu'on a 5 000 euros. Non. Il y a une dépense qui a été faite au courant juillet avec un nouvel avocat. Là, on n'est pas en train de rentrer dans le détail des machins, sinon. Et j'ai pas le dernier. Enfin, la loi, vous avez fait pas l'idée de penser que si on étudie le vote du budget, c'est l'objectif. Mais là, on vote le budget supplémentaire. Ce qu'on vote, c'est pas le budget. Là, c'est d'accepter de voter sur quelle ligne on met le montant qu'on doit y ajouter. Si. C'est de constater, de voir la Donc, oui, la question. Je suis désolé, mais il y a une commission des finances dans laquelle on peut parler librement de tout un tas de choses. On ne peut pas reproduire la commission des finances qui dure 3 heures. Aujourd'hui, ça a été libéré. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir les comptes rendus de la commission des finances? Justement, à ce propos, parce que j'avais demandé. Il n'est pas obligatoire de faire un compte rendu dans une commune de moins de 1500 habitants. Oui, mais il y avait un cahier qui était tenu par Mme Sirou en séance. Et je n'ai pas pu l'avoir ajouté. Moi aussi, je prends des notes. C'est pas le sujet, si vous voulez bien. Parce que quand j'ai demandé... Mais si, parce que... Non, mais j'aimerais bien qu'on se ressente, parce qu'à chaque fois, on dévie, ça développe. Là, le but de la délibération, c'est de voter, d'approuver le budget supplémentaire 2015. On n'est pas en train de parler du mode de fonctionnement de la commission des finances. On est en train de... Monsieur Rattel, agent finance, est en train de vous présenter, de vous expliquer si vous avez des questions sur les montants qui seront attribués dans les lignes correspondantes. Donc, si vous avez des questions, vous les posez, on vote, et puis une fois que vous aurez posé toutes vos questions, on passera au vote et on passera au sujet d'après. C'est ça. Alors, avez-vous des questions concernant ce sujet, la délibération que nous allons prendre? La question, c'est de savoir ce qu'il y a dans les comptes. Et la question, c'est quand, sur un budget supplémentaire, on affecte grosso modo au niveau des charges 223 000 euros, au niveau des produits 514 000 euros. Je lis le tableau de recettes que j'ai déchargé samedi matin, midi moins le quart. Je suis désolé, acceptez juste l'idée que les conseillers municipaux puissent s'interroger sur tel ou tel poste, telle ou telle dépense. Oui, mais c'est pas l'objet. Oui, mais là, c'est pas l'objet de la délibération. Ah, vous nous demandez de valider un budget primitif. Madame Bourra, vous comprendrez bien que dans ce cas, pour le valider, il faut quand même. On valide pas le budget supplémentaire. Pardon, c'est le budget supplémentaire. Donc voilà. Et alors, c'est pas un budget. C'est un budget. Non, mais un budget supplémentaire, il faut quand même que vous compreniez tous, mesdames et messieurs les conseillers, que vous avez le droit de vous poser la question de ça, puisque c'est que vous avez la dépense. C'est pour ça qu'on vous présente le budget, sinon on ne vous le présente pas. Enfin, sinon, vous le signez, on n'a même pas de mais document. Mais on ne va pas prendre ligne par ligne. Bah, on va pas, ça dépendra des conseillers, ça laisser à chacun la liberté de se soucier. Mais de oui, mais avec plaisir, moi je vous laisse toute la liberté que vous voulez, la preuve. La preuve. Bah, malgré le cerclage de la vous n'avez pas reproché de ne pas vous laisser faire ce que vous pouvez faire. Bah oui, c'est difficile, je vous donc, on ne va pas prendre simplement chaque ligne de ce budget supplémentaire et aller voir ce qu'il y a dans le détail. On va répondre aux questions des Sardins. Posez des questions. D'accord, alors qu'est-ce que c'est que les 28 700 du contrat de prestation de service qui a donc été voté au budget précédent, donc il ne peut pas s'agir du nouveau prestataire concernant les toits et locaux. D'ailleurs, félicitations à son travail, parce que pour ceux qui utilisent les locaux communaux, vous verrez la propreté actuelle. Mais qu'est-ce que c'est que ces 28 700 par exemple? Qu'y a-t-il dedans? Mais vous savez, si je peux me permettre, vous savez que le budget c'est un acte prévisionnel, donc on prévoit, c'est des crédits. Et la réalisation exacte, vous la verrez, vous saurez exactement le budget, on vous dit à peu près à quoi correspond les... Non mais je comprends, mais sauf que là on est au mois d'octobre. Article par article. Non mais on est au mois d'octobre, donc on peut croire qu'au mois d'octobre, quand on a affecté au mois de mars 28 700 euros de dépenses, et que dans le cas présent, je prends l'exemple des prestations de services, on ne rajoute pas de budget supplémentaire, c'est qu'on sait qu'on va avoir cette dépense. Pas forcément, je veux dire, il y a eu un excédent de fonctionnement de 149 000 excédents. Les crédits qui ont été proposés, c'est pour réajuster, puisqu'il y a des articles qui étaient en dépassement, il suffit d'affecter pour que les dépenses, en fait, elles correspondent... Soient cohérentes avec ce qui va se passer. C'est le principe du budget, de toute façon. Oui, mais le vote du budget, c'est bien budget, pas budget, mais en tout cas, charge par charge ou produit par produit. On ne peut pas nous expliquer ce soir qu'en fait, on s'en fout, on vote un budget, donc vous votez, messieurs les conseillers, et puis posez pas de questions. Quand on affecte, pourquoi on affecterait 28 500 ou 25 000 euros? Là, je vois par exemple fourniture de voirie. Bon, pourquoi 25 000? Parce qu'il y a réellement, on peut prévoir que la réfection des voies entraîne cette dépense-là. Donc on le sait. Si je prends l'exemple des prestations de service, c'est ma question de maintenant. À quoi correspond ces 28 700 par exemple? Oui, c'est
Ça, c'était ce qu'il y avait. Oui, puis c'est vrai qu'il y a toujours c'est des articles qu'on gonfle un petit peu pour avoir un petit peu de marge. Oui, mais c'est quand même assez légitime de vouloir avoir une image relativement sincère des dépenses et des charges. C'était ce qui était prévu. Ce n'est pas l'objet de ce conseil. Les 28 700, c'est ce qui a été voté. Mais non, c'est les lignes qui bougent. Il y a une commission des finances qui a regardé en détail. La commission des finances, premièrement, elle dit s'il n'y a pas de compte rendu, acceptez que moi, en tant que conseiller municipal, je n'y ai pas accès. Interrogez pas accès. Les membres de la commission. Mais oui, mais sauf que les membres de la commission n'ont pas accès aux données, n'ont pas accès aux comptes rendus. Mais si. Je ne sais pas. Personne ne les a fait. Tous les documents ont été présentés en commission. Donc, monsieur Rappel, vous me donnerez le détail du contrat de prestation de service. Mais ce n'est même pas la question, c'est que les 28 700 dont vous parlez, c'est une somme qui a été votée lors du budget primitif. Tout à fait, on est d'accord. Donc, vous revenez, ces questions-là, elles ont été posées quand on a voté. Oui, mais quand on vote un budget primitif au mois de mars, on n'a pas une vision. C'est le budget supplémentaire. Je comprends, mais quand on vote un budget primitif au mois de mars, on n'a pas forcément, je comprends tout à fait, une vision précise des engagements ou des recettes qu'on va avoir. Quand on est au mois d'octobre, vous m'excuserez, mais le budget supplémentaire pour la partie réalisée, il est à 5 ou 6% près exact. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'au mois d'octobre, on a 9 mois d'année qui se sont écoulés, enfin, 8 mois d'année. Typiquement, pour les 28 700, la somme dépensée est peut-être que de 13 000. Mais alors, dans ce cas-là, le budget est de nouveau insincère. Dans ce cas-là, si vous le savez aujourd'hui. Mais c'est pas là qu'on met. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on réajuste les lignes qui n'ont pas assez. Qui n'ont pas assez d'argent. C'est-à-dire qu'on rajoute des choses en plus, mais on ne fait pas de moins. Et pour quelle raison? Parce que de toute façon, l'argent, on touchera quand on fera le compte administratif. Il y a malgré tout des retraits. Je vois la dotation forfaitaire, elle baisse de 32 000, donc vous ne pouvez pas dire qu'on ne fait pas de moins. Oui, si, on fait les moins dans le sens où on a, comment dire, soit trop de dépenses, soit un manque de recettes. Oui. C'est tout ce qu'on fait. Après, si on a du gain sur des lignes, on les retrouve quand on fait le compte administratif. Ça sert à quoi de baisser les sommes, etc. De toute façon. Non, c'est juste de comprendre comment est gérée cette commune. Moi, ma question, c'est pas de savoir ça sert à quoi, c'est de se comprendre comment. Non, là, on est en train de voir comment est géré. Là, on est en train de voir comment fonctionne un budget. Le budget. La question, c'est pas comment fonctionne. Ah, mais je sens une subine, mais c'est pour ça que je cherche à apprendre. Donc, moi, je veux comprendre le budget primitif. Avoir les mêmes questions à chaque fois. Si on continue comme ça, à minuit, on n'a même pas fini le budget. Quoi. Ah, ben c'est clair, mais ça, c'est pas mon choix, c'est pas moi qui présente, qui convoque les conseils. Non, mais c'est fait. Mais vous n'en êtes pas à votre premier budget supplémentaire, quand même, monsieur Jacques Audard-Miquel. Quasiment, non. C'est même pas sûr. Non, mais ça n'empêche que moi, en termes de fonctionnement de cette commune et de la gestion, monsieur Rattel, répondez-moi justement. Qu'y a-t-il dans la prestation de service? Qu'englobe-t-on là-dedans? Si c'est le cabinet d'urbanisme, est-ce que c'est des prestations externes, notamment le nettoyage du foyer de l'époque? Est-ce que c'est. Je veux dire, c'est pas complètement dingue comme question. Hein. Non, mais. Donc, dedans, moi, je peux. J'ai pas la totalité. Hein. Donc, il y a les sorties centres de loisirs, les entrées piscines, les sorties châteaux en Breteuil, classe de découverte, etc. Dans le contrat de prestation de service? Non. C'est ça? Oui. D'accord. Et alors, le nettoyage des locaux, par exemple, c'est où? C'est le nettoyage des locaux. C'est plus. 62-83. C'est le nettoyage des locaux, le 62-83. J'y viens. C'est une dépense aussi. Mais moi, je vous invite, M. Jacot, à chaque poser des questions à chaque fois. Venez une bonne fois pour toutes, pour chaque ligne, vous prenez les articles qu'il y a, et ça vous évitera de poser des questions à chaque fois. J'ai rêvé que vous m'invitiez à la commission des finances. Vous en avez peut-être pu en parler directement, si ça vous gêne d'en parler en plein conseil. Mais non, mais je ne vais juste pas passer 3 heures. Mais oui, mais vous ne choisissez pas. Enfin, il faut que vous compreniez que malgré tout, les règles d'élection ont changé. Il faut que vous compreniez tous. Allez. Les règles ont changé, donc il y a des conseillers qui sont à même de poser des questions et qui ont envie d'avoir des réponses, tout simplement, pour s'assurer de la bonne gestion de la commune. Mais c'est ce qu'on fait, M. Jacot, simplement, quand vous déviez simplement du sujet, permettez-moi de vous rappeler, permettez-moi... Je vous remercie sur les rails, c'est tout. Ah, mais je vous remercie. Mais enfin, j'en étais à la ligne honoraire où nous sommes obligés donc d'augmenter de 5 000 euros à cause de contentieux que nous avons avec certains. Et ensuite. Vous savez, voilà. 5 000 euros, ça ne me paraît pas assez d'ailleurs. Pour quelle raison 5 000? Ah, mais peut-être qu'on mettra beaucoup plus cher. Peut-être qu'on mettra plus, oui. Ensuite, passe sur les lignes là où il y a eu des changements, ce que tu avais prévu de présenter. L'article 62.32, fêtes et cérémonies. Donc nous augmentons de 6 000 euros. Alors, en fait, les fêtes et cérémonies, c'est, il faut regrouper les deux lignes 62-32 et réception, c'est-à-dire les 10 000 et 5 000. En fait, il y a des articles qui auraient dû être imputés sur les deux lignes. Et comme ça a été imputé sur la première ligne 62-32, on est obligé de réajuster cette ligne. Mais on n'annule pas la réception, par contre. Et alors, quelque chose que je ne comprends pas. Mais non, je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne baissait pas les lignes. C'est à 62-57. Ah oui, c'est le... On ne baisse pas les lignes non consommées.
Alors, si elle n'a pas été consommée, pourquoi augmenter le budget? Vous venez de dire précisément, vous avez associé les deux lignes. N'est-ce pas? Vous avez associé les deux lignes. Donc les dépenses ont été mal affectées, entre guillemets, c'est ce que je comprends. Oui, c'est qu'aujourd'hui, on a dépassé les 10 000, donc il faut en mettre. Il faut ajouter. Oui, mais vous avez précisé, vous associez le compte 6232 facturation et revenus avec le compte 6257 réception. Oui. Le compte réception à ce jour, il y a eu des dépenses dessus ou pas? L'affectation? Non, très peu. D'accord, donc il suffirait, entre guillemets, d'affecter ce qui a été mal affecté jusqu'au mois d'octobre. Après, ça fera des décisions modificatives. Là, c'est une décision modificative majeure, un budget supplémentaire. Ah bah, c'est nous faisons une décision modificative de 6 000 euros sur la ligne fête et cérémonie pour compenser les dépenses qui dépassent les 10 000. Et alors, de fête et cérémonie, donnez le détail, s'il vous plaît. Donnez-nous le détail. Il faut le détail de fête et cérémonie. Oui. C'est pas assez parlant. Bah, non, parce que non, mais je prends un exemple. Le prestataire qui vient, qui amène ses choix à la fête du village, il est dans la fête et cérémonie ou il est dans le prestataire de service? Le feu d'artifice, il est dans la prestation de service ou il est dans la fête et cérémonie? Donc il y a par exemple achat fleur cérémonie du 11 novembre, pardon. Je n'ai pas tous des détails. Il y a les vœux du maire, par exemple, il y a... Enfin, c'est pas pour 7 000 euros. Les pots de départ des personnes qui partent. Il y a la fête du village, cette année. Alors, par exemple, on peut avoir le détail ou pas? J'ai pas le détail, là. Non, ah. C'est pas le but du conseil. C'est pas le but. C'est pas le but. Mais non, mais c'est quand même le but de savoir ce qu'on dépense, monsieur Tison. Grande somme. Voilà, c'est pas pour demander le conseil du tout. La question, c'est grande somme, grande masse. On va pas avoir le détail au niveau du conseil municipal. Non, la question, c'est de pouvoir s'assurer de la manière dont on dépense l'argent des 5 mois. La question, c'est vrai, le budget en l'occasion. Quelles sont les variations par rapport au budget prévu? Ça, tu peux demander le détail. Alors, la ligne 62-83. Donc, vous n'avez pas répondu, monsieur Radel. Il a répondu qu'il n'avait pas le détail là. J'ai pas le détail là. Et alors, vous le transmettrez okay. Prochainement. Bah, c'est pas l'ordre du jour, mais on vous donnera l'information. Il n'y a pas de secret. Ça ne fait pas l'objet de la délibération, monsieur. Arrêtez, vous vous éparpillez. Non, je vais. Donc, ce que je propose à Patrick Radel, c'est d'annoncer les changements dans les lignes que vous allez proposer, et puis après. On avance. Alors, ligne 62-83, frais de nettoyage des locaux. Donc, on augmente de 5 000 euros, notamment, en fait, avec la réforme scolaire, en fait, on a une journée de classe supplémentaire, donc deux ménages supplémentaires, et ceci pour cela. Ensuite... Alors là, vous avez, par exemple, ajusté le j'ai entendu la classe supplémentaire, mais le changement de prestataire entraîne des changements de coûts. Oui. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé sur cette ligne-là? Pourquoi ça entraînerait des changements de coûts? Parce que là, je ne sais plus quel était le tarif de la précédente avant. Justement, nous essayons qu'il n'y ait pas de changement de coût. Le budget. Donc c'est le même coût équivalent? Par contre, il pourrait y avoir un changement de ligne. C'est-à-dire que si c'est un personnel, par exemple, non titulaire, ça serait imputé sur la ligne. Dans le cas présent, ça reste un prestataire externe. Il y a aussi du ménage, on a recruté aussi une personne pour faire le ménage à l'école. Bah moi je parle de... Encore une fois, on s'occupe notamment du gymnase. Et qui s'occupe mais à l'école, il y a un personnel non titulaire. Et alors cette somme, les frais nettoyage et locaux, inclut-il le personnel ou pas de la mairie? A priori non. Non mais encore une fois, aujourd'hui on ne sait pas exactement comment on va faire jusqu'à la fin de l'année. Il peut y avoir des changements. Donc on a fait qu'une somme sur une ligne qui s'appelle frais de nettoyage et locaux. Si on ne la dépense pas, tant mieux. On affecte aussi une somme sur la ligne personnel non titulaire, au cas où on prendrait du personnel non titulaire. Et de toute façon, les sommes qu'on ne dépensera pas, on les récupérera. C'est juste pour prévoir. Oui, et il faut bien comprendre, peut-être que je ne comprends rien, mais quand on est au mois d'octobre, on a donc une vision précise de l'exercice budgétaire. À 3 mois après, on sait qu'en grosso modo, les charges personnelles, les dépenses. On ne peut pas avoir, entre guillemets, un suivi rigoureux d'un budget par rapport à des décisions qui ne sont pas encore prises. Non, mais des dépenses qui sont engagées. Donc des dépenses à s'engager. On prend des marges, sinon on serait sans arrêt obligé de prendre des décisions modificatives pour modifier telle ligne. Non, c'est pour ça qu'il y a 3 budgets dans l'année, enfin 2 budgets dans l'année. Ça sert à ça. C'est normalement là on devrait avoir un budget. Enfin, si là, à la fin du mois, M. Pierre Chauvin, il dit je ne peux plus faire, vu qu'il est indépendant, ou que la femme de ménage elle décède, il faudra bien qu'on embauche ou qu'on fasse le ménage par d'autres moyens. Un conseil municipal où Mme Bourras, au titre de ses pseudo-délégations, décide d'affecter une nouvelle dépense, et puis le tourisme. Donc là, en fait, en gros, il ne sera pas au courant de la dépense que tu auras affectée, mais là, ça ne gênera pas. Bah, c'est ce qui se passe aujourd'hui, excuse-moi. Je
C'est impeccable. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'on a une vision de ce qui a été dépensé pour la fête du village? Alors, on peut avancer, s'il vous plaît. Oui, donc... Mais on peut demander le détail. Mais on ne peut pas l'obtenir le détail. Mais pas aujourd'hui, tu ne l'as pas demandé, mais tu peux le demander. Ah bah, si, là, je le demande, mais il est demandé dans mes questions. Non, non. La ligne 60... L'article 64.13, personnel non titulaire. Donc là, nous avons besoin de réaffecter 17 000 euros. Nous n'avions pas prévu assez au primitif. Et comme nous avons effectivement un changement au niveau des frais de nettoyage, on prévoit donc d'avoir plus de non-titulaires, donc on augmente le budget. Donc dans les non-titulaires, il y a des TAPS également. Et puis, et alors ça fait ce... Enfin là, c'est la même question. Enfin, dans le budget initial, on budgète 30 000. Oui. 9 mois plus tard, vous budgétez 17 000, soit plus 50% de plus. Et là, l'explication que vous donnez, c'est les TAPS. Mais les TAPS, non, c'est la personne... J'ai dit que les 30 000 que nous avons budgétés au primitif n'étaient pas suffisants. On le savait, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé au primitif d'affecter toutes les sommes pour l'année. Ouais. On peut très bien dire on en mettra quand on fera le supplémentaire. Et on ajustera le supplémentaire. Mais non, mais on est d'accord que la tâche qui correspond à cette ligne-là de nettoyage, on sait au 1er janvier 2015 qu'il y a des TAPS, qu'il y a des jours, donc qu'il y a du ménage supplémentaire et éventuellement l'intervention d'un partenaire non titulaire. On le sait. Je suis surpris que 10 mois plus tard, on se dit, tiens, on va demander 7 lignes budgétaires de plus de 50% pour les assurer. Non. Il n'y a aucun impact avec l'ouverture du centre aéré le mercredi matin? Il n'y a pas de raison là-dessus? Non. Non, pas du tout. Là, c'est uniquement, donc vous dites, les 17 000 supplémentaires. Parce que le centre aéré le mercredi matin, c'est des personnes titulaires. Mais là, donc les 17 000, c'est uniquement le nettoyage, enfin l'affectation d'un nouveau budget pour le nettoyage fait par du personnel non titulaire. Il y a un peu de TAPS aussi. C'est-à-dire c'est des contractuels. Il y a des animateurs. Des animateurs. D'accord. Ils sont contractuels. Il y a des contractuels, il y en a qui sont entrepreneurs. Il y a les deux. Ouais. Ensuite. Voilà. Alors ensuite, donc en tournant la page 10, donc, là, les sommes non affectées, en fait, donc, ont été proposées juste avant. Il reste 40 648 euros qui ont été mis sur la ligne 22. Donc une ligne qui s'appelle dépenses imprévues. C'est une ligne qui n'est pas affectée à une somme précise, mais au cas où on en aurait besoin, on peut venir prendre dans cette ligne. Ensuite, la ligne 68-11, dotation aux amortissements, 28 000 euros. C'est ce dont nous avons parlé à la première délibération. C'est l'amortissement concernant les deux premières années. Et donc, nous avons un total de dépenses de 126 000 euros pour la partie fonctionnement. Je vous invite ensuite à passer à la partie fonctionnement recettes, page 11. Donc, sur cette page, très peu de modifications. Nous avons apporté une modification sur la dotation forfaitaire, c'est ce qu'on appelle la DGF, qui, vous savez, baisse tous les ans. Quand nous avions fait le budget primitif, nous n'avions pas la somme réelle, donc on avait baissé un peu la somme, mais on n'avait pas baissé assez. Nous rectifions ici dans le budget supplémentaire en faisant moins 32 000 euros. Pour mémoire, en 2013, on a touché 139 000 euros de DGF, en 2014, on a touché 128 000 euros. Et en 2015, nous avons touché 82 386. Vous voyez là la réalité des choses quand on dit que l'État baisse les subventions. La ligne 74-121, nous n'avions pas prévu donc, la dotation de solidarité rurale. Nous rectifions en supplémentaire, ce qui minimise un petit peu la baisse de la DGF. Donc, nous avons simplement une baisse de moins de 2 686. C'est qui verse ça? Donc cette somme-là, c'est une somme certaine. La DGCL. Pardon, c'est l'État. Cette somme-là. Mais la c'est l'État en tant que tel. Oui, oui. C'est la DGCL. DGF. La DGF. Dotation. Dotation générale forfaitaire. Et alors, dotation de solidarité rurale. C'est ce que. Pour quelle raison? C'est quoi ça? C'est une subvention. Une subvention de l'État. Oui. Et qui est versée à quel titre? Parce qu'il y a des agricoles à Saint-Denis, parce que pour quelle raison Je ne me souviens plus la péréquation. Non, mais il y a des critères. La péréquation, elle correspond à des critères bien précis que la DGCL met en place quand elle traite. Ouais. C'est quoi? C'est par rapport au tarif, par rapport à l'exploitation sur la commune, par rapport à une non, il y a des préservations de la nature. C'est cadré. Je ne me rappelle plus ce qu'il y a dedans. Ensuite.
Je vous invite à passer ensuite à l'investissement, section dépenses, à la page 13. Il y a un budget donc, conséquent dans l'investissement qui est très peu affecté, je tiens à souligner, puisque nous avons trouvé de nombreuses lignes qui sont en réserve. Donc, notamment la ligne 2281, donc une somme de 63 513 qui est une réserve. La ligne 2315 de 50 000 euros qui est une réserve. Ensuite, l'opération d'équipement 119. Donc, nous proposons donc 90 000 euros, notamment c'est pour le mur de l'école. Les travaux que nous avons réalisés cet été. Il n'était pas prévu du primitif. Faisons la rectification ici. La modification, pardon. Voilà, ensuite. Excusez-moi, monsieur Rattel, le mur de l'école, oui. Si jamais on présente ça, c'est vraiment en disant que le mur de l'école a coûté 90 000 euros, il va s'étouffer. Mais on avait voté une 175 000 euros d'une part, et deuxièmement, il y avait la partie jeu de la maternelle, etc. Il y a les jeux aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui, il y a les murs, le mur et les jeux. Mais par contre, dans le descriptif des IMO, je vois opération d'équipement numéro 119, a priori. Encore une fois, la somme qui est ici, ce n'est pas le coût de ce qu'il y a dedans. C'est l'enveloppe. C'est l'enveloppe qui permet d'engager les dépenses. Mais sauf que le compte 2315, a priori, l'opération d'équipement numéro 119, si elle correspond au mur de l'école, oui. Elle correspond a priori au devis qui a été accepté par ce même conseil de 75 000 et quelques. Non. Ah non. Alors pourquoi on précise l'opération d'équipement? Donc l'opération d'équipement numéro 119, c'est le mur de l'école, plus la cour, plus la joue pour la maternelle, éventuellement, je ne sais pas, les parasols de devant, enfin, puisque ça correspond à quoi? Non, c'est une somme que l'on a mis pour le mur de l'école, les jeux. Voilà. Oui, mais à partir du moment où elle est appliquée à l'IMO, on peut penser que. À quoi correspond, il n'y a pas d'immobilisation là. À quoi correspond l'opération d'équipement numéro 119? Travaux de voirie. Mais je me suis rappelé, mais pas le mur de l'école. Oui. Là, c'est marqué là. Il y a le détail, page 17. Il suffit de s'y reporter. Voirie. Mais pourquoi on ne parle pas de l'école alors? C'est une erreur. C'est comme ça, c'est. Voilà, c'est des. C'est trop tard. Travaux école, c'est 123. Non, oui, mais dans les travaux dans l'opération voirie. Par rapport aux articles budgétaires qui étaient ouverts, ça correspond un petit peu à tous les travaux de VRD liés au bâtiment. C'est quand même un travail, c'est énorme ça. C'est comme ça que le budget a été voté. Ensuite, dernière ligne, donc la 0. Donc alors, attendez juste pour moi que je comprenne. Donc on budget 98 000 euros pour finaliser, au pire, les travaux d'école. Oui. C'est ça. Et dernière ligne, donc qui est une réserve également de 30 000 euros. Auquel nous ajoutons, les restes à réaliser de 2014, qui étaient de 320 000 euros. Donc nous avons ici un budget de 580 000 euros pour la partie dépenses. Alors, pareil, les restes à réaliser, vous savez qu'il y a très peu de choses dedans, parce que notamment il y avait des sommes qui avaient été prévues pour les premiers rurales. Pour l'instant, toujours pas réalisé. Ensuite, si on passe à la partie recettes investissement, donc deux lignes, donc la partie 1068, qui est donc le reversement de la partie fonctionnement de l'investissement, donc c'est les 180 000 euros qu'on a votés pour notre. Et ensuite, la ligne 280-422, qui est la partie immobilisation, qui correspond à ce qu'on a vu dans le fonctionnement. Et donc nous avons également recette investissement 580 155 euros. Je vous propose de lire la délibération. J'avais une remarque à faire. Je voudrais revenir sur cette commission des finances qui a pour objet de préparer les délibérations et je voudrais revenir sur les comptes rendus. En effet, si la commission des finances a pour objet de préparer les délibérations,
il serait bon que chacun des conseillers puisse consulter les éléments pour qu'on n'y passe pas un quart d'heure ou une demi-heure sur des questions pointues en se référant directement à ces comptes rendus. On m'avait répondu qu'il n'y avait pas de compte rendu diffusé, mais que je pouvais consulter un cahier qui en faisait office. Si j'ai bien compris, il n'y a pas de cahier, c'était uniquement les notes personnelles de Madame Sirou. Oui. C'est ça ? D'accord. Donc c'est pas ce qu'on m'avait laissé entendre. Et vous êtes rapproché d'autres membres de la commission pour avoir les informations ? J'ai demandé le compte-rendu samedi, mais je pensais avoir de l'information. D'accord. Donc, entre samedi et aujourd'hui. Personnellement, en fait. Enfin, si, j'ai demandé à Patrick. On a fait la commission samedi dernier. Je partais en vacances à 14h. Je n'ai pas eu le temps de faire le compte-rendu. Je suis revenu ce week-end. Et le temps que j'ai parlé. De toute façon, on ne fait pas de compte-rendu. Je dirais qu'on travaille. Si, honnêtement. Je prends mes petites notes et puis je fais un petit mail. Mais c'est juste l'essentiel, quoi. Honnêtement, je pensais me proposer à la dernière séance, mais je n'ai pas pu venir. D'accord. Ça sera la prochaine fois. Je vous lis la délégation. Juste quelques questions, monsieur Rappel. Dans le détail des recettes, par exemple, si je prends la ligne 6311, taxe foncière, taxe d'habitation. C'est une dépense. Dans le détail des recettes. Non, je parle des recettes. Taxe foncière d'habitation, les recettes issues des taxes foncières. La ligne 11, la page 11 et le compte 73-111. On a une somme, par exemple, de 809 421. Je suppose que cette somme est transmise par le Centre des impôts, qui nous dit pour, je sais pas, au 30 septembre ou 15. Oui. Qui nous dit, voilà le montant à la date du 1er octobre que les impôts ont perçu sur la commune de Saint-Rémy. Oui. On est d'accord là-dessus ? Oui, combien là, ça ? Non, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Donc, c'est un budget qui est établi en fonction des éléments certains donnés par les impôts. Oui. D'ici, la ligne en dessous, 239 484, oui. Elle vient d'où, par exemple ? Pareil. Pareil des impôts ? La communauté de communes. Communauté de communes. C'est des sommes qui sont fixées. Mais qui sont certaines, c'est-à-dire que vous me parlez de budget qu'on n'aurait pas décidé parce qu'on s'en fiche, c'est pas grave, mais pourtant les recettes, elles sont bien certaines. Donc pour avoir des recettes certaines, il faut essayer, pour avoir un budget crédible, d'avoir des dépenses certaines. Ou alors il faut se poser la question, a-t-on besoin d'autant de dépenses, d'autant de recettes? Et dans ce cas-là, il y a une politique fiscale qui se met en place. Mais c'est ça la gestion d'une commune. Au moment de l'élaboration du budget, quand on a les sommes réelles, on les met. Oui. Les impacts, mais prévisions. Oui, mais à partir du moment où le budget de mars 2015 est élaboré sans prendre en compte l'arrêté des comptes de l'exercice précédent, donc c'est ce que vous avez expliqué en mars, grosso modo, on ne peut pas savoir. Ou avril, pardon. On ne peut pas savoir. Là, dans quelques temps, en octobre, l'exercice 2015 étant suffisamment avancé, on a une vision théoriquement précise des comptes de la commune. Oui. Si je prends dans les recettes, par exemple, cette somme-là, c'est les impôts la donne, et c'est logique, c'est eux qui perçoivent, mais c'est une recette, certaine. Je ne comprends pas très bien pourquoi, à partir du moment où on est capable d'établir des recettes certaines, on n'est pas capable d'essayer à minima d'établir un budget, et notamment de dépenses, qui s'approche le plus de la réalité des choses. Quand vous me dites, on met 15 000 euros de côté par-ci, on met 30 000, c'est quand même une gestion qui est quand même particulière. Théoriquement, si on a des recettes certaines, on essaye d'affecter des dépenses certaines, surtout quand on est à 3 mois de la fin d'exercice. Non, je ne vois pas l'intérêt. À partir du moment où on va encore faire des dépenses jusqu'à la fin de l'année, on verra le bilan en fait, de l'année, on le fait au moment du compte de gestion et du compte administratif, c'est tout. Le bilan de l'année, donc on le fait au mois de juin. Sauf que les comptes d'une année en cours, ils commencent à être établis au mois d'avril. C'est ce que vous avez expliqué. On pourrait les faire en même temps, d'ailleurs, je vous rappelle. Mais c'est un autre débat. D'ailleurs, en commission des finances, il a été... Oui, mais les finances, on n'y a pas accès Je vais donc le redire. Il a été dit que cette année, donc on a fait 3 budgets, comme on l'a fait l'année dernière, mais l'année prochaine, il n'y aura qu'un seul budget en début d'année. Les 3, enfin, on fera tout en même temps. D'ailleurs, au mois de février, par exemple, vous allez sortir des comptes de l'année 2015, février 2016, et l'année 2015. Oui. Oui, c'est possible. Non, c'est ce qu'on avait demandé la dernière fois quand il y avait. C'est ce que j'avais dit, qu'on pouvait intégrer le budget supplémentaire de l'année précédente. Après, tu passes par des DBM. Après, tu passes par des décisions budgétaires modificatives. Il y aura un seul budget et il n'y aura que des décisions modificatives sur l'année. Si il y a une somme à adapter sur une ligne,
lors d'un conseil, on fera les adaptations nécessaires. L'important, c'est de gérer, mais bon. Ça, c'est bien. C'est ce qu'on avait demandé derrière. Ben, oui. Alors, la délibération. Attendez, juste un, j'ai une question. Attendez, c'est pas fini. Le 750, non, mais moi, je suis désolé si hein, il y a un conseil tous les 3 mois et quelques. Gardez vos commentaires, posez votre question. Non, là, madame Louvre, acceptez. Oui. Laissez-moi non, la liberté. Mais vous déviez hein encore, monsieur. Non, je ne dévie pas. Ça fait une heure qu'on est dessus, c'est mais bon. Oui, mais j'y vois là, il fallait convoquer un mais conseil je, avant. Mais je ne vous empêche pas de poser vos questions, mais vous gardez vos commentaires pour vous. Non, mais laissez-moi, moi, libre parole, s'il vous plaît. Là, le compte, toujours dans la partie recette, le compte 757. À quoi correspondent les redevances versées par les fermiers et concessionnaires? Ça correspond à quel prestataire enfin, quoi? C'est les redevances France Télécom, c'est les redevances d'occupation de domaine public généralement. D'accord. Donc c'est les concessions de gaz, les redevances de gaz, les pipelines, les choses comme ça. Et je crois qu'elle doit mettre dedans aussi la taxe sur l'électricité, mais oui. C'est dans cet article-là. Sur les poteaux? Ça c'est la taxe sur l'électricité, ce que le syndicat reverse à partir des factures d'électricité. Les revenus des immeubles correspondent, je suppose, aux différents locations, aux personnes locations. Locales. Oui. D'accord. Dans les IMO, dépenses, immobilisation, reçues en affectation, 63 173 de la ligne 22. C'était quoi ça? La page 13. Je mets une mobilisation reçue en affectation. Qu'est-ce qu'on a reçu pour 63 000? Non, c'est un article de réserve. De réserve, de la famille. Tout à l'heure. On a comblé, je veux dire, les dépenses par rapport au programme qui était connu et le restant, on l'a affecté sur d'autres articles. Voilà. Pourquoi il n'y a pas un compte tout simplement de parce réserve? Que les dépenses imprévues, c'est le chapitre 020, les dépenses imprévues, il y a un pourcentage, ne pas dépasser plus de 7,5% de certaines dépenses. Donc c'est vrai que quand il y a plus, quand il reste plus, on fait en sorte de l'affecter sur plusieurs articles de budget. C'est intéressant ce que vous dites. Pourquoi cet article existe-t-il? De quoi? L'article, dépenses imprévues? Voilà, dépenses imprévues dans un pourcentage. Oui, mais il existe, on est limité, je veux dire. Oui, pourquoi on est limité? Parce que c'est le législateur qui l'a voulu pour éviter peut-être... Qui a sans doute pensé qu'il serait bien de prévoir. Sans doute. Oui, mais bon, c'est qu'on ne peut pas, je veux dire, on ne peut pas faire n'importe quoi. Affecté, parce que de toute manière, les dépenses imprévues, vous les mettez sur un compte et pour les utiliser, vous faites une décision modificative. Donc voilà, c'est sur ce compte-là, en sachant que. Oui, mais qui est limité, enfin, qui est limité au niveau du certain, montant total, voilà. Hein. Bon, attendez, j'ai presque fini. J'ai pas eu le temps de tout faire d'un seul coup, vous savez. Donc vous ne donnerez pas le détail des dépenses, hein, c'est faudra demander aux commissions des finances. Enfin les dépenses budgétées. On budgète pour ne pas les dépenser, mais qu'on budgète quand même. Vous avez un monsieur Rappel? Votre question, oui. Monsieur. Bah, je vous pose la question, est-ce que je peux avoir le détail de certaines dépenses? Et je demande un monsieur Rappel. Pas là. Sous quelle forme peut-on les avoir? Là, le détail. Hein. Vous faites la demande et puis vous aurez les informations nécessaires. Maintenant, je veux qu'on avance sur le sujet. Très bien. Vous demandez à votre prêcheur qui l'a. Non, je ne l'ai pas demandé. Non, mais la même fois, vous l'avez. Non, mais moi, je vous demande, je vous rappelle, c'est vous l'adjoint en finance. Pardon, moi, je vais dire, c'est vous l'adjoint en finance. On y va, Patrick, tu lis la délibération, s'il te plaît. Je lis la délibération. Madame le maire, donne la parole à M. Patrick Pratel, maire adjoint chargé des finances, qui présente le budget supplémentaire 2015 du budget général. Examiné par la commission des finances le 3 octobre 2015. Le Conseil municipal, considérant que le budget s'équilibre en recettes et dépenses, tant en section fonctionnement qu'en section investissement, comme suit. Section fonctionnement équilibrée à 126 873,54 euros. Section d'investissement équilibrée à 580 155,54 euros. Considérant que le budget supplémentaire reprend conformément à la réglementation les résultats du compte administratif 2014. Entendu l'exposé et la prévalence du départ, décide d'approuver le budget général supplémentaire 2015. Qui est pour? Qui s'abstient? 2. Merci. Adopté, merci. Point suivant, affiliation de la commune au régime d'assurance chômage pour le personnel non titulaire. Je veux savoir si qu'aujourd'hui, dans ta commune,
commune n'est pas affiliée au régime de l'assurance chômage. Pour les non-titulaires. Pour le personnel non titulaire. Sachant que la commune engage du personnel non titulaire pour les TAPS, pour le ménage par exemple, pour le remplacement ponctuel de certains agents communaux. Si en fin de contrat, ces agents avaient droit au chômage, ce serait à la commune. Et l'indemnisation incomberait à la commune totalement. Alors, pour éviter que la commune paye ses indemnités de chômage, je vous propose d'adhérer à l'assurance chômage ce soir, dont la cotisation est de 6,40, c'est ça ? Je crois. 6,40. Et donc, je le répète, ça ne concerne que les contrats des non-titulaires. Je vais vous lire donc la délibération concernant cette affiliation. Madame le maire signale aux membres présents que les collectivités territoriales sont assujetties aux mêmes règles d'indemnisation du chômage total que les employeurs du secteur privé. Le secteur public repose sur le principe de l'auto-assurance. Les collectivités territoriales ne cotisant pas à l'URSSAF, la charge de l'indemnisation leur incombe totalement. Les articles L5424-1 et L5424-2 du Code du travail permettent à certains employeurs publics d'adhérer volontairement au régime d'assurance chômage pour les personnels non titulaires. En cas d'adhésion, l'employeur public est soumis à la réglementation mise en œuvre par l'URSSAF. Concluant que la commune emploie du personnel non titulaire et qu'il est intéressant pour la collectivité d'adhérer à ce régime pour éviter le versement d'allocations de chômage, le conseil municipal décide l'adhésion de la commune de Saint-Rémy-Honoré à l'assurance chômage, autorise Madame le maire à signer la convention adéquate. Qui est pour ? Juste une petite question. La charge, quand la commune n'adhère pas à ce genre de choses, la charge d'indemnisation, elle repose sur le même principe que l'indemnisation de l'URSSAF ? Oui, c'est-à-dire que c'est le même contrat. Non, que Pôle emploi. Oui, pardon, quoi, maintenant c'est mélangé, ouais. Mais voilà, c'est la même condition, enfin 6 mois de travail, X temps oui, de ouais. Oui. Qui est pour ? Deux ici. Merci. 14. Ah oui, parce que Mme 14. Pinto n'est pas représentée. Oui, 14 sur 14. Donc c'est 12. 14 à chaque fois. Oui, c'est vrai. Adhésion, non, création des postes d'agents recenseurs. Donc les opérations de recensement sont prévues en 2016. La nouveauté, c'est que cette année, on a une possibilité de répondre par Internet. Nous devons donc délibérer pour créer les 3 postes d'agents recenseurs pour la période allant du 21 janvier au 20 février 2016. Ce que nous ferons, c'est que nous mettrons sur le site et nous communiquerons sur dans le bulletin municipal essentiel afin de pouvoir obtenir des candidatures. Et le profil des candidats sera... ce qui sera important pour nous, c'est d'avoir des candidats majeurs, discret et de confiance. C'est un petit peu formé à l'informatique. Est-ce qu'on est obligé d'être formé, hein, ouais. Il y aura une formation. Expliquer à la population. Exactement. Création des postes d'agents recenseurs, je vous lis la délibération. Madame le maire rappelle à l'Assemblée la nécessité de créer des emplois d'agents recenseurs afin de réaliser les opérations du recensement 2016. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 3, vu la loi numéro 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment son titre 5, vu le décret 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, vu le décret numéro 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la population, vu le décret 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires, vu le tableau des emplois adopté par le conseil municipal, entendu l'exposé après en avoir délibéré, décide la création d'emplois de non titulaires en application de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi précitée, pour faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers à raison de 3 emplois d'agent recenseur non titulaire à temps non complet pour la période allant du 21 janvier au 20 février 2016. Dit que la rémunération des agents recenseurs sera fixée ultérieurement par le conseil municipal. Qui est pour ? Pas de choix. Oui, je vous remercie.
excusez-moi. À quoi correspond le budget? C'est le budget supplémentaire. Mais alors donc là, on signe quelque chose. Je lis tel que je le vois présenté sous mes yeux. Ah oui, j'ai dit bien. Présenté par Mme Von Bourra, à Saint-Rémy le 12-10. Délibéré par le conseil municipal de l'exercice ordinaire le 12-10. Nombre de membres en exercice 15. Vote pour 0. Oui, non, mais ça, c'est l'ordinateur, c'est l'ordinateur qui le sort comme ça. Je mets du blanc et je le rajoute. Oui, mais je sais bien, mais si moi je signe un document et que derrière. Mais vous n'avez pas cité, puisque vous l'avez pas. On appelle ça un faux. Non. Bah, si moi j'ai ce document et qu'on met du blanc derrière, non, je mets du blanc sur les présents parce qu'il y a l'ordinateur ressort 0. Je ne peux pas le modifier avant puisque je ne sais pas. Non, mais, moi je fais juste la remarque. Là, on me demande de signer quelque chose. Je vois vote pour 0, vote contre 0, abstention 0. Vous savez, moi je fais ça sur tous mes budgets. Non, la préfecture, elle nous a jamais aligné. Je mets du blanc. Non, mais c'est quand même assez surprenant. Enfin, je sais pas. Je suis désolé, c'est le logiciel. Je peux vous montrer. Donc voilà. Non, mais je ne mets pas du tout en cause le produit. C'est fait à la main, je veux dire. Avant, d'accord, c'était fait à la main, donc même, vous n'avez pas le signé parce que vous n'avez pas voté. Donc voilà, donc après. Je tiens, il faut que la. Vous faites la remarque. Non, je fais pas la remarque. Je vois qu'on nous demande de signer un document qui est factuellement inexact. C'est tout. Après. Je veux dire, on peut pas dire très bien. Non, mais c'est un truc blanc. Mais jamais du blanc. Vous avez un truc blanc par rapport. Oui, on fait avant, on devrait faire avant. Et puis, il devrait être complété complètement pour le signer. Très bien. Point numéro 6, adhésion au groupement de commandes pour la reliure des actes administratifs et de l'état civil. Donc la reliure est obligatoire, il suit les mêmes caractéristiques techniques que celles des registres d'état civil. Le CIG, le Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne, nous propose de constituer un groupement de commandes pour obtenir des tarifs préférentiels. Donc je vous propose d'adhérer au groupement de commandes pour la reliure des actes administratifs de l'état civil. La délibération, je vais vous la lire. Madame le maire expose au conseil municipal que le CIG Grande Couronne propose la constitution d'un nouveau groupement de commandes qui a notamment pour objet la passation pour le compte des membres du groupement d'un marché de prestations de services pour la reliure des actes administratifs et ou de l'état civil. Opération rendue obligatoire par le décret 2010-783 paru le 11-07-2010 pour les actes administratifs et l'arrêté du 22-02-68 pris en application de l'article 2 du décret du 15-février-68 pour les actes d'état civil. Ce marché aura une durée maximale de 4 années à compter du mois de juin 2016. Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une application individuelle et permet d'obtenir des tarifs préférentiels. À cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie. Celle-ci prend acte du principe et de la création du groupement de commandes. Elle désigne le Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur. Ce dernier est notamment chargé de procéder à l'organisation de la procédure de passation du marché et de procéder au choix du titulaire. À ce titre, la commission d'appel d'offres compétente est celle du coordonnateur du groupement de commandes. La convention prévoit que les membres du groupement habilite le coordonnateur à signer, notifier, exécuter le marché au nom de l'ensemble des membres constituant le groupement. La convention prévoit que les membres du groupement La convention précise que la mission du CIG Grande Couronne comme coordinateur ne donne pas lieu à rémunération. Les frais de procédure de mise en concurrence ainsi que les autres frais occasionnés par le fonctionnement du groupement ne feront pas l'objet d'une refacturation aux membres du groupement. Il appartient donc à chaque membre du groupement d'examiner, d'adopter et d'autoriser son exécutif à signer cette convention constitutive du groupement de commandes. La délibération qui sera adoptée constituera l'annexe 2 de la convention constitutive. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code des marchés publics, vu le décret 2010-783 paru le 11 juillet 2010 sur la tenue des registres administratifs, vu l'arrêté du 22 février 68 pris en application de l'article 2 du décret 68-148 du 15 février 68 sur la tenue des registres de l'état civil, considérant l'intérêt de rejoindre ce groupement de commandes en termes de simplification administrative et d'économie financière, le conseil municipal, après l'avoir délibéré, décide d'adhérer au groupement de commandes pour la reliure des actes administratifs et de l'état civil, approuve la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre interdépartemental des gestions de la Grande Couronne comme coordonnateur du groupement habilité à signer et notifier le marché selon les modalités fixées dans cette convention, approuve la commande de reliure d'actes en fonction des besoins de la commune, j'arrive au bout, autorise le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi qu'à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est pour ? 2-1 pour moi.
Donc 14, je vous remercie. Il manque un conseiller dessus. Ouais. Comment ? Il manque un conseiller dessus. C'est à la fin. Il manque un conseiller. Il manque Isabelle. Vous l'avez mis dedans ? Ouais, ouais. Mais par contre, je vous invite quand même à être beaucoup plus vigilant. Enfin, je ne vois pas pour vous, madame. Mais c'est très important parce que là, vous signez un budget primitif sur la base de données qui sont fausses. Il manque un conseiller, c'est presque un gag. Et c'est un document officiel. Je veux dire, ça, c'est quand même. Je ne sais pas si on se rend bien. Les données qui sont fausses, bon, après, ça, c'est pour. Après, deux ans, je ne pouvais pas du tout en cause du travail, vraiment, quoi. Mais je rappelle au conseiller et à monsieur Rattel, qui est d'ailleurs l'agent en finance, qu'il faut un peu de rigueur. Je m'en doute. Qu'il faut un peu de rigueur. Alors, adhésion de la communauté d'agglomération de Rambouillet Territoire au Cité. Vous avez signé ? Non, mais je le rajoute. Le comité syndical du Cité. Le comité syndical du CITER, syndicat communal de transport et de l'équipement de la région de Rambouillet, en date du 23 juin 2015, a accepté l'adhésion de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire. Et on demande aujourd'hui à chaque commune de délibérer pour valider l'adhésion. Alors, madame le maire expose au conseil municipal que le comité syndical du 23 juin 2015 a accepté l'adhésion de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire auprès du syndicat intercommunal de transport et d'équipement de la région de Rambouillet. Conformément à l'article L5211-18 du Code général des collectivités territoriales, les communes membres du syndicat disposent d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur cette adhésion. Le conseil municipal vit la loi 92-125 du 6 février 92 relative à l'administration territoriale de la République. Vu la loi numéro 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, vu l'article L5211-61 du Code général des collectivités territoriales relatif au transfert de compétences à un syndicat, vu l'arrêté préfectoral numéro 2014-363-0004 du 29 décembre 2014 portant transformation de la communauté de communes Plaines et Forêts d'Yvelines en communauté d'agglomération Rambouillet Territoire au 1er janvier 2015, vu la délibération numéro CC152A-D04 du 9 février 2015 du Conseil communautaire sollicitant l'adhésion de la communauté d'agglomération auprès du CITER, vu la délibération du comité syndical du CITER en date du 23 juin 2015, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte l'adhésion de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire auprès du CITER. Qui est pour ? J'avais juste une petite question sur le délai de 3 mois. Oui. Qui court à compter de la réception par la mairie ou à compter du 23 juin ? J'en sais rien. En fait, je pense que les 3 mois, c'est à partir du moment où eux ont délibéré. Mais c'est le 23 juin. Ça veut dire que tacitement, on acceptait l'adhésion du CITER. Enfin, oui, c'est 3 mois de la réception, donc on est oui, sur septembre. C'était ma question. Oui. Alors, la réception, nous, on l'a reçu le 11 septembre. Nous, on l'a reçu le 11 septembre. Si on l'a reçu le 11 septembre, il faut le viser. Alors, on était au vote. Qui est pour ? 2 par ici. Donc, on est pour. Alors, donc, je passe au point numéro 9. Alors, parmi les délégations que le conseil municipal m'a confiées par délibération en date du 10 octobre 2014, il s'avère que le point numéro 16 manque de précision. Alors, le point numéro 16 concerne l'autorisation d'inviter au nom de la commune des actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Et il était précisé dans les cas définis par le conseil municipal. Or, les cas définis par le conseil n'ont pas été précisés à l'époque. Je vous suggère donc de délibérer ce soir pour préciser dans quel cas s'applique cette délégation. Madame le maire rappelle que par délibération de la du 10 octobre 2014, le conseil municipal a décidé de lui confier un certain nombre de délégations en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, et notamment celle d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal. Des doutes pouvant survenir sur l'étendue de cette délégation, Madame le maire suggère de préciser que cette délégation s'applique systématiquement au cas où la commune est amenée à assurer sa défense devant toute juridiction, y compris en appel, et à l'exception des cas où elle serait apprête devant une juridiction pénale.
Il conviendrait également de consentir cette délégation dans le cas d'urgence que la commune serait demanderesse, notamment dans toutes les procédures de référé, et particulièrement lorsqu'elle encourt un délai de péremption et lorsqu'elle est amenée à se constituer partie civile. Le conseil municipal, entendu l'exposé après en avoir délibéré, vu le code général des collectivités territoriales, article L2122-16 et L2122-3, considérant qu'en vue d'une bonne administration des intérêts communaux, il est nécessaire que le maire dispose du pouvoir d'ester en justice tant en demande qu'en défense, dans le cas ci-dessous visé, donne pouvoir au maire d'ester en justice, en défense devant toute juridiction, y compris en appel et en cassation, à l'exception des cas où la commune serait elle-même à traite devant une juridiction pénale, en demande devant toute juridiction de référé et devant toute juridiction compétente au fond lorsque la commune encourt un risque de péremption d'instance ou de forclusion, dans tous les cas où la commune est amenée à se constituer partie civile devant les juridictions pénales. Madame le maire est invitée à rendre compte au conseil municipal des décisions qu'elle aura été amenée à prendre dans le cadre de ses délégations en application de l'article L2122-23 du CGCT. Qui est pour ? Alors, je ne comprends pas le mode de fonctionnement de ce conseil. C'est on délibère après le vote ? À quel moment on délibère sur la délibération ? À quel moment on débat ? Ah, mais s'il y a des questions, elle décide. Je ne sais pas, ce n'est pas la première fois que tu viens, Isabelle. Non, mais d'habitude, il y a les explications, on pose les questions et après on lit la délibération. Ah ben, si vous avez des questions, c'est le moment. On pose les questions toujours avant de voter. Oui, c'est préférable. Donc, si personne ne pose des questions, je passe au vote. Voilà, moi j'ai une d'abord de première remarque. Oui, mais on vient d'avoir l'explication. Je peux terminer ? Je t'en prie. Donc moi j'avais une remarque, c'est qu'on a déjà donné beaucoup de délégations à Madame le maire, et j'étais la première à les voter. Malheureusement, Madame le maire, donc justement, qui est invitée à rendre compte au conseil municipal des actions qu'elle mène, n'a, pendant l'année qui s'est écoulée, jamais rendu compte de ses actions. Simplement, il y a un problème. Ben non, il n'y a pas de problème. Je dois rendre compte des décisions que je prends. Si je ne prends pas de décision liée à ma délégation, je n'ai pas de décision. J'ai pas de. Donc, ce que tu nous dis aujourd'hui, oui. C'est qu'au titre des délégations, oui. Ça tu l'enregistres, hein, oui. Au titre des délégations qui t'ont été données en octobre 2014, oui. Tu n'as pris à ce jour aucune décision. Absolument. Qui ne sont pas passés, pour lesquels on n'a pas délibéré. Tu n'as pris aucune décision. Le PFY, au titre et ça a été. Délégation. J'ai pris la décision de confier à l'EPFY. J'ai donné l'autorisation à l'EPFY de préempter la Maison Martin pour le conseil municipal. Et c'est la seule. Très bien. C'est la seule. J'aimerais que ça figure au compte rendu. Mais par contre, si madame, moi, je vous rappelle que je m'avais attaqué en justice. La commune de Saint-Rémy a donc demandé à attaquer le 3 juin 2015 en justice. Mais je viens d'expliquer pourquoi on redélibère là-dessus, monsieur. Vous venez d'expliquer à l'instant à Mme Bretécher que vous n'aviez pris qu'une seule décision sans le concours du Conseil. Il s'agissait de donner délégation à l'EPFY. Je vous rappelle que vous avez attaqué au nom de la commune, on y reviendra, en justice, courant juin, sans avoir rendu un quelque compte qu'à qui que ce soit au sein de ce conseil. Non, j'ai fait un procès-verbal, j'ai fait des procès-verbaux au procureur de la République concernant des. Non, mais on sait bien, non, je vois pas. Des infractions à l'urbanisme. Non, mais on va pas. Non, mais c'est dit. Non, mais l'assignation, mais qui a délivré ? Moi, j'ai reçu l'assignation de la commune de Saint-Rémy qui l'a délivré. Pardon ? J'ai reçu de la part de Mme Bois, qui semblerait le maire de cette commune, une assignation de la commune. Alors, qui a donné, qui m'a délivré cette assignation ? Pas Mme Bois. C'est dans le cadre de la procédure de l'infraction à l'urbanisme. Ah non, l'infraction à l'urbanisme, elle est depuis 2004, je crois, fort close au niveau du procureur. C'est pas procureur. Alors, c'est pas l'objet de la délibération générale qu'on va prendre aujourd'hui, de toute façon. Non, mais je suis d'accord. Alors, par contre, moi, j'ai un truc très important par rapport à cette délibération. Très intéressant. C'était donc en octobre 2014, vous évoquez un certain nombre de délégations que vous auriez reçues. Donc moi j'ai imprimé aujourd'hui le compte-rendu de la séance du 10 octobre 2014. C'est peut-être pas l'objet de... Non mais c'est important parce que c'est très important. Ah, et oui. Dans cette délégation consentie en mer par le municipal, je parle de ce qui est sur le site internet de la mairie, il est inscrit, je vais vous le faire très rapidement, Madame le maire appelle au conseil municipal les articles 1 du code
Considérant qu'il est le maire pour recevoir délégation du conseil municipal, afin d'être chargé pour la durée de son mandat de prendre un certain nombre de décisions, et considérant qu'il y a lieu de favoriser une bonne administration communale, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, c'est ce qu'a écrit, c'est ce qu'on a voté, c'est ce qu'a inscrit encore aujourd'hui sur Internet, c'est ce qui a été exposé au sein et moi, décide de voter à bulletin secret quant aux délégations prévues par le Code général des collectivités territoriales. Je vous donne le vote, 15 votants, 14 voix pour, abstention 1. Cette délibération qui a été votée en conseil municipal, qui a été affichée sur la commune, s'est transformée, voilà l'extrait de cette délibération, alors c'est d'ailleurs qu'on a le compte-rendu affiché au conseil et ce qu'on a voté, qui nous dit, je ne vais pas tout vous dire, le conseil municipal décide de voter à main levée. Alors dans la première, il dit de voter à bulletin secret, dans la deuxième, de voter à main levée. Dans la première, il ne parle pas de délégation, dans la deuxième, d'où vient cette délibération ? Monsieur Jacques, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. En plus, quand vous êtes chargé d'en faire part à monsieur le sous-préfet, j'ai répondu à monsieur le sous-préfet. Donc vous aurez la réponse, mais c'est pas le sujet ce soir. Ce soir, le sujet. Non, mais il n'y a pas de sujet ce soir, j'ai l'impression que c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. D'accord, il n'y a pas de sujet. Si vous voulez. Mais moi, c'est une question que je pose par rapport. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération ? Alors la délibération évoque. Les délégations qui vous auraient été consenties. C'est pour ça que je parlais de pseudo-délégation. Moi, je voudrais juste savoir qu'est-ce qui s'est passé entre le conseil voté à bulletin secret et puis les délibérations dont vous avez fait table, dont vous avez usé. Parce que quand vous attaquez en justice quelqu'un, même si vous ne le savez plus, vous usez de cette délégation. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Ben vous aurez la réponse par le sous-préfet, puisque, non, parce que, attendez, puisque vous m'avez demandé, vous vous êtes adressé au sous-préfet pour avoir la réponse. Ben, je ne l'ai pas eu auprès de vous. Eh ben, le sous-préfet vous répondra, ben, parce que moi, je lui ai répondu par contre. Alors, le sous-préfet, en fait, il m'a répondu. Je vais vous lire à la fin de la lettre. C'est ce que je voulais vous annoncer, messieurs et mesdames les conseillers. Donc, si vous voulez bien, on verra ça. En ce qui concerne le solidarité d'action, jusqu'à la fin du contraire, c'est quand même moi qui mène les débats. Donc, à la fin du conseil, vous l'avez annoncé en début de conseil, vous avez informé le conseil, mais non, mais vous avez quelque chose à dire à la fin du conseil. Ça n'a aucun rapport avec le fait de devoir délibérer ce soir. Excusez-moi. Avez-vous d'autres questions ? Mais elle s'appuie dessus. Non, mais elle s'appuie sur Madame le maire. Madame le maire s'appuie dessus. C'était une sorte d'avenant à quelque chose qui a déjà été passé. C'est simplement un avenant, c'est une précision qu'on apporte aux délégations. Si monsieur Jacquot vous dit que potentiellement il y aurait un recours sur la première, la manière dont celle-ci est formulée pourrait l'entraîner dans son recours. Écoutez, il s'abstient ou il vote. Enfin, c'est le message qui vous fait. Mais j'ai bien compris. Non, mais moi, c'est pas le message qui vous apparaît, c'est que je veux comprendre parce qu'en fait. Je ne vais pas vous la dire, ça sera la surprise, mais tant pis pour vous. Hein, ça mieux pour vous j'adore l'avoir. Les surprises, mais c'est mieux quand ça arrive à la fin, il faut savoir se faire attendre. Non, je rappelle, par rapport à cette délibération que vous évoquez, la délégation, moi je pose une question, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui. C'est tout. Eh ben, vous aurez... Comment c'était ce qui est affiché en mairie et ce qui est affiché, ce qui est transmis à la préfecture soit différent ? On va passer au vote si vous n'avez pas d'autres questions. Vous n'avez pas de réponse à m'apporter. Alors, qui est pour hein ? Qui s'abstient ? C'est vous. Qui est contre ? Deux par ici. Quatre. Je vous remercie. Alors, ça, c'est la déclaration. Alors, concertant le point suivant. Donc, contentieux en cours. On passe au point numéro 8. Alors, M. Jacquot, quand vous êtes directement concerné, vous ne pourrez pas, évidemment, participer au débat. Donc, je vais vous demander de sortir, s'il vous plaît. Alors, je vous répondrai que nous allons sortir ensemble. Mais attends, ce n'est pas le sujet. C'est que M. Jacquot est concerné par un des points. Est-ce qu'on peut diviser, comme pour par exemple les subventions des associations, diviser la délibération ? Tu ne peux pas prendre la délibération telle qu'elle est, en exigeant sa sortie, qui est obligatoire. Et en l'obligeant à être sorti pour les autres points qui ne le concernent pas. Il faut séparer les délibérations. Parce qu'on a détaillé les différents dossiers d'infraction d'urbanisme. Parce qu'il y a les quatre dans le même, tu ne peux pas. On peut le faire en deux délibérations, on peut le préciser. Est-ce qu'on peut le faire en deux délibérations ? Oui, deux, tu peux faire. Mais du coup, il faut le reporter à la prochaine réunion du Conseil. Non, je ne crois pas, non. Bah, en tout cas, ça ne peut pas être séparé en séance. Ce qu'on va faire, non, c'est qu'on peut les mettre dans la même délibération et on précisera que sur le vote qui concerne, la partie qui concerne M. Jacquot Carmichael, il ne pourra pas prendre part au vote. Il y a une délibération, un vote.
En fait, il y a deux cas de figure. Soit, effectivement, vous reportez. Vous pouvez convoquer le conseil dans 3 jours, c'est possible, vous avez tout à fait droit. Soit, alors, bah, en termes de personnes intéressées, revenons-en, je vous rappelle, et je me dis. D'accord. Alors, simplement, ce qu'on va faire, on va modifier le contentieux en cours, simplement, et puis je ne vais pas parler des autres cas de contentieux, on va parler que d'un seul contentieux. Je ne suis pas sûre que ce soit possible. Si, si, c'est possible. Au même titre, en report. Contentieux, hein, tout simplement, contentieux en cours. Enfin, je peux me permettre juste un petit mot. Et on mettra qu'une seule délibération. Que l'ordre du jour est fixé avec contentieux. Normalement, on peut faire un petit amendement sur une délibération, mais pas la changer à ce point. Pardon ? On peut faire une petite modification, mais pas... C'est un projet de délibération là aussi, donc après c'est le conseil qui... Après c'est le conseil qui, donc vous pouvez... Oui, mais on peut l'amender à la marge. Enfin, ça serait bien de renouveler. Non, parce qu'en fait, par contre, parce que le vrai projet de... La partie la plus importante du projet de délibération concerne quand même ce contentieux en particulier. Donc si on peut la modifier simplement pour... Ah, c'est quand même la moitié de la délibération, hein. Non, c'est pas la moitié de la délibération. Bah, si. Alors... C'est pas un mot changé ou une phrase changée, c'est la moitié de la délibération. Je pense pas que ça soit recevable. Mais bon, après, c'est à tes risques et périls. Hein. Oui, oui, mais j'ai l'habitude. Non, parce que c'est le risque et péril, je sais pas. Je veux dire, la délibération, elle est lue, et vous la modifiez. Je veux dire, après c'est simplement, c'est dans la forme. Après, c'est dans la forme. De toute façon, pour les subventions, on arrive à diviser justement lors de la délibération parce qu'il y a des conseillers qui sont intéressés quand ils sont dans une association, ils sortent chacun leur jour à chacun et c'est un tour de rôle, c'est tout. Et ça rentre dans la globalité de la délibération. Avec un seul vote. Oui, c'est faisable. C'est faisable normalement. Il suffit simplement de la scinder, effectivement, et de voter pour un petit paragraphe. Et puis après, faire un petit paragraphe. Mais bon, le contenu de la délibération sera le même. Simplement, il faut que la personne qui est intéressée n'apparaisse pas dans les débats. On parle simplement. Non, il faut la laisser comme ça. On fait la délibération. Comme on fait pour les subventions. Comme pour les subventions. On fait la délibération. Une partie de la délibération. Le point A pour. Le maire simplement en disant que M. Jacot est sorti. Pas dans les débats, c'est pas dans le. On fait le reste. On fait la reste. Ça ne pose pas de problème. Non, il y aura toujours une seule et même délibération. Il y aura toujours une seule et même délibération. Vous pouvez faire le point 3, numéro A, délibération, le point 9, délibération numéro 1 et le numéro 2. C'est un peu, bon, je ne sais pas du métier, mais il y a 11 délibérations annoncées sur l'ordre de compte. Oui, mais il y en aura 11 parce que j'en ai supprimé une. J'en ai supprimé une, donc il y en a 11 quand même. Non, mais à la rigueur, on peut faire un petit taille, on peut faire un petit taille. Si vous en supprimez une, c'est pas très gênant dans le sens où on a été convoqué pour un truc, si pour une délibération de la délégation des voix, si vous en rajoutez une, excusez-moi, la convocation n'est pas conforme, mais permettez-moi quand même avant de préciser quelque chose. À quel titre vous me demanderiez de sortir? Parce que vous êtes directement concerné. Donc au titre de la personne intéressée par l'affaire. Nous sommes d'accord. Au titre. Qui d'autre est intéressé par cette affaire? Tu peux pas le déranger. Bah, au conseil municipal, personne. Personne qui a engagé des frais au nom de la commune sans autorisation du conseil et sans compte rendu, notamment celui du 23 juin. Non, j'avais l'autorisation du conseil dans la mesure où il y avait la délégation. Il y avait une. Alors, je vous lis le jugement ou c'est pas la peine? Non, c'est pas la peine. D'accord. Donc, ça sous-entend. Et c'est la raison pour laquelle la commune fait appel, monsieur. Alors, on va prendre dans le sujet. On ne rentrera pas. Mais alors, non, mais ce que je vous invite à faire, madame Bourrin, il y a deux cas de figure. Nous sommes tous les deux des personnes intéressées. Moi, parce qu'éventuellement, je chercherai à défendre ma cause auprès des conseils municipaux. Ma cause est entendue. Un garage a été construit il y a 12 années. 3 mandats se sont succédés. Bon, passons. La vôtre, vous avez engagé une action en justice à plus de 5 000 euros en juin dernier. Première faute. Deuxième faute, vous faites appel avec un autre cabinet d'avocats dont on n'a toujours pas entendu parler à Saint-Rémy.
Non, ce qui est important, c'est qu'il y ait une trace, le reste. Vous avez entendu ce que j'ai dit, pas oui. Voulez-vous que je vous répète? Non, mais vous avez... Donc, attendez quoi? C'est quoi la question? Non, il n'y a pas de question, il y a un fait. Si il y a des personnes intéressées dans cette affaire, il y en a d'autres. Moi, éventuellement, je suis intéressé car je sais beaucoup d'une procédure. Bon, je ne vous cache pas, mais monsieur les procédures, je vous expliquerai ensuite. La procédure. Non, on ne t'expliquera pas puisque tu seras dehors. Ouais. Bon, je n'expliquerai pas, parce que je serai dehors, tout à fait. Mais madame Bois, par contre, vous êtes directement intéressé. C'est-à-dire que vous avez commis une faute en engageant des frais sans autorisation du conseil, comme vous l'a dit le tribunal. Vous avez de surcroît fait appel avec un autre cabinet d'avocat, alors que vous auriez eu la possibilité de demander à un conseil municipal du 3 juillet, par exemple, et de demander une délégation pour pouvoir faire appel. Donc vous êtes sous le coup, entre guillemets, de deux fautes. Alors ça peut se qualifier. Alors que vous, c'est aucune faute, c'est vrai. Vous n'êtes sous le coup d'aucune faute. Moi, je suis sous le coup d'aucune faute. Le procureur, c'est vous qui prétendez que je suis sous le coup d'une faute. Je ne suis sous le coup d'aucune faute, monsieur. Ah bah, la délégation, la justice, elle a bien été faite. C'est la justice qui prétend, c'est pas moi. Ok. Moi, pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont j'ai présenté cette délibération. Bah, je vous laisse réfléchir, mais je vous rappelle que si vous voulez que je sorte ce que je ferai sans problème, il faudra qu'on sorte ensemble. Donc, à quel moment? Bah non, vous n'allez pas me dire ce que j'ai à faire. Bah, non, mais c'est que les personnes intéressées à l'affaire, c'est vous. Couvrir une faute pénale, c'est vous qui la couvrez, c'est pas moi. Moi, le procureur, il a abandonné le sujet il y a 8 ans de ça. Est-ce qu'on peut juste reprendre la définition de la personne intéressée? C'est-à-dire? Qu'est-ce que la personne intéressée dans ce type de débat? Qu'est-ce que la personne intéressée? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'une personne? Qu'est-ce qu'une personne intéressée au regard de la loi? Mm-hmm. Bah, ton avis? Bah, c'est pas mon avis qui compte, c'est l'avis du législateur. Mm-hmm. Moi, mon avis n'a aucun intérêt. Mm-hmm. C'est mais alors, j'attends une réponse, j'ai pas compris. Bah oui, ce serait quand même bien que vous le sachiez, puisque vous considérez Monsieur Jacot comme une personne intéressée. Bah, c'est Monsieur Jacot qui a été... Chaque fois que la mairie elle se porte dans la déclaration, cite Monsieur Jacot, c'est normal qu'il soit exclu. Oui. Mais quand c'est pas quand on vote les subventions, c'est bien entre la mairie et l'association, non, c'est pas la représentation. La notion de personne intéressée, c'est pas une la personne intéressée, pour ceux que ça intéresse, c'est celle qui a un intérêt distinct de celui de la généralité des habitants. Or, en l'occurrence, Madame Bourrat, ayant pris des dispositions sans l'accord du conseil municipal, est tout à fait intéressée à ce que ces actes fassent l'objet d'une régularisation. Donc elle a un intérêt qui est différent de celui de la généralité des habitants. Donc elle est une personne intéressée et doit sortir au même titre que Monsieur Jacques. Non, je ne crois pas, madame. Je crois que vous vous trompez, madame. Non, je pense pas. Au contraire, vis-à-vis des habitants, je pense que c'est quand même bien de faire gérer les lois. Et vous pensez que c'est bien de faire une action en justice qui se somme par une dépense de 5 000 euros et être dévoué? Mais vous n'en savez rien, monsieur. Mais vous n'en savez rien. Comment ça, j'en sais rien? Monsieur Rattel l'a évoqué. Mais on attend des remboursements des assurances. Donc, vous ne savez pas combien ça nous coûte. Malheureusement, vous n'êtes pas le seul cas d'infraction d'urbanisme dans le village. Mais il y a d'autres procès en cours? Vous avez déjà posé la question au dernier conseil municipal. Oui, mais la réponse est différente, parce que la réponse n'est qu'un seul procès en cours. La délibération que vous avez eue, donc vous savez qu'il y en a 4 contentieux. Non, un contentieux en cours, c'est quelqu'un que la démarche qui consiste pour la mairie à faire une action en justice est différente de celle de transmettre de l'issue au procureur. Vous savez très bien, M. Rattel étant présent depuis 2 mandats, que M. Simonin avait, dans mon cas aussi, transmis de ce procureur, qui a jugé, on est 13 ans plus tard, qu'il n'y avait rien à faire. Donc la démarche la même. Je ne crois pas que Madame Bourrat ait pris, je pense au moulin de Bécherelle par exemple, après avoir pris un arrêté interdit des travaux en juillet 2014, on s'est tous dit, tout va s'arrêter. On est donc à peu près un an plus tard, il semblerait que les travaux ne soient pas arrêtés. Et la seule action de la mairie, c'est de faire agir la justice. Regardez-vous, ça a pris combien de temps? Vous avez assigné au mois d'avril, j'ai été au tribunal. Nous sommes retrouvés au tribunal avec votre avocat, avec l'avocat de la commune, 2 mois plus tard. Alors, si on prend l'exemple du moulin de Bécherelle, par exemple, sans citer ce monsieur, parce que je ne connais pas, mais il fait des très belles choses sans doute, c'est très étonnant. On ne va pas parler de votre cas en particulier. Je parle du moulin de Bécherelle. Comment expliquez-vous un référé Je ne répondrai pas, monsieur, c'est une affaire en cours, je ne vais pas répondre. Je suis juste en train de peaufiner la formulation de la délibération
Donc, je vais commencer par, quand même par m'exprimer sur, sur cette délibération. Simplement, le manque de précision du point numéro 16 qu'on vient d'évoquer dans les délégations confiées au maire, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de délégation confiée au maire, nous amène à devoir délibérer pour éviter tout problème de procédure sur les contentieux en cours et prochains. Donc, les contentieux en cours sont tous liés aux infractions à l'urbanisme. Il y a 4 contentieux en cours. Est-ce qu'on fait voter pour les 4 séparément? Donc, de ce fait, je peux toujours vous exposer le premier. Il s'agit du dossier de André Lobry. Là, nous sommes dans un cas de permis de construire accordé, mais de non-respect, de non-conformité des travaux liés au permis de construire. Du dossier Lobry-Fils, Lobry-Steve, pour cette fois construction sans permis de construire sur un terrain agricole. Et sur le dossier donc Renard pour la construction de plusieurs logements sans permis de construire. C'est le troisième cas. Et le quatrième cas donc est le dossier de M. Jacob Carmichael. Donc, on va faire voter, on va prendre la délibération. Concernant ces 3 premiers cas d'abord. Je ne sais pas comment vous l'avez déjà imaginé comme ça. Il faut la scinder dans le corps de la délib, parler des 4 petites affaires, et après. Il va y avoir 4 votes, puis c'est là dans des mouvements, c'est tout. Comment? Non, non, c'est une délibération qui sera scindée en deux, comme quand on vote. Quand on vote les subventions. Vous verrez, ça dira le contrôle de l'égalité, mais enfin, ça vous vous en doutez particulièrement vigilant. Moi, je vous invite très sincèrement, reconvoquer un conseil pour vendredi, vous avez le temps. En fait, vos délibérations, ça sera très bien. Et puis d'ici là, vous aurez peut-être des nouvelles de la justice. En urgence, il faut 24 heures. Ou en urgence. En urgence, il faut 24 heures. Enfin, attendez, je vais rappeler qu'il y a un caractère d'urgence qui est justifié. Oui, il y a urgence. Il y a urgence, c'était un appel, comme celui d'il y a 13 ans. Oui, c'est ça. C'est pour un appel qui aura lieu dans l'état d'urgence. Il faudrait que vous ayez fait un message. Il faut le débrouiller. Il faut débrouiller. Mais vous essayez un projet de délit, vous pouvez complètement le modifier. Hein. Il faut très bien dire faute d'éléments nouveaux dans certaines affaires. Vous pouvez le faire comme ça. Sans que les rangers, on va attendre juste que Carole revienne avec la photocopie de la délibération. Et ça, c'est les deux derniers coups. Ça, c'est bon. Okay. Combien il y a d'affaires engagées au tribunal administratif en ce moment? Sur les arrêts. Pour lesquels oui, par on exemple, doit plaider, on a une date au tribunal pour aller en cours. Enfin, non, en cours. Oui, les affaires Non, les affaires. Les autres, c'est des recours gracieux. Il y a 4 affaires d'infraction à l'urbanisme bien avancées. Voilà, c'est ce que je viens de citer. Ça, c'est pas le tribunal administratif. Ou alors, je sais ce que je vais faire. On va pas. Là, c'est une décision, c'est une information que je donne sur les 4 contentieux et je ne me concentre que sur le contentieux. C'est une information générale. Merci, Carole. Donc, simplement.
Non, mais même pas. On va pas délibérer là-dessus. Donc, simplement, ce dont je viens de vous parler, c'est une information que je vous donne sur les contentieux en cours dans la commune. Donc, les dossiers dont je vous ai parlé, M. André Laubry, M. Steve Laubry et M. et dossier Renard. Ça, ce sont des informations générales que je vous donne concernant les contentieux en cours dans la commune. Concernant la délibération que nous allons prendre, cela concerne le contentieux de M. Jacot-Termiquel, qui est donc directement concerné par cette délibération et qui je vais demander donc de sortir parce qu'il ne peut pas prendre part au débat. Alors, je vais juste avant, très solennellement, madame, vous rappeler que la délibération que vous cherchez à obtenir de la part de vos adjoints, de vos conseillers et adjoints, cherche à couvrir la faute pénale qui est la vôtre. Je rappelle aussi que les mots de la délibération que vous présentez sont pour une bonne part mensongers, inexacts, donc vous cherchez à reporter avec une présentation fallacieuse des faits l'adhésion des conseillers. Ceci étant dit, je note que vous refusez de vous considérer comme personne intéressée à l'affaire. Je vais donc sortir. Vous vous doutez bien qu'il y aura une suite à tout ça. Et mesdames et messieurs les conseillers, je vous rappelle que voter cette délibération en ayant au préalable entendu ce que je vous dis, à savoir que les faits qui vous sont présentés sont inexacts, les dates qui vous sont présentées sont inexactes. Vous êtes en train de débattre et de vous exprimer sur un sujet qui vous concerne. Madame Bourras, j'ai la gentillesse. Je vais vous demander une dernière fois de vous lever et de sortir afin que nous puissions délibérer sur le sujet précisément. Je ne pas savoir ce qu'il y aura. Je n'ai pas entendu parce que vous n'avez pas à vous exprimer sur le sujet qui vous concerne. Allez-y. J'étais assis, moi, Moi, j'ai 21 de tension cet après-midi. Si je veux, j'aimerais bien aller un peu vite chez moi. Parce que demain, à 6h, je suis de nouveau. J'ai un vrai métier. Mais t'es pas qu'un bénéfice, toi, de moi, c'est 7 sur 7. Non, moi aussi, plus que ce que j'ai investi à la famille. Pendant les débats sur ce sujet. C'est moi qui ai demandé à monsieur que la caméra de monsieur ne répond pas. C'est comme ça. Donc, je vais vous attendre. D'accord. Et moi, tu m'éviteras de revenir. Parce que sinon, je reviens encore. Donc là, vous allez pouvoir débattre sans mon concours. Oui, mais à ce moment-là, reste assis. Tu votes pas, mais tu restes assis. C'est la même chose. Tu vois, c'est la même chose. Christian, ça annule la délibération. Je ne voudrais pas que vous le Alors, si cette délibération, vous êtes obligé de laisser ouvert. Christian. Peut-on nous expliquer? J'allais y venir, je vais vous expliquer. Cette délibération est très détaillée donc, et concerne essentiellement l'affaire de M. Nicolas Jacot-Termiquel.
parce que c'est une affaire qui a été instruite le 2 juillet et que la demande de la commune a été rejetée par le juge des référés au motif qu'il n'y avait pas de délégation consentie au maire. Nous avons fait appel pour deux raisons. Alors nous avons fait appel pour deux raisons qui sont les suivantes. Alors tout d'abord, nous considérons que la décision du juge des référés est critiquable puisqu'il a considéré qu'il n'y avait pas de délégation. Mais on peut avoir... Non mais c'est un peu de l'insulte à la fin. Mais on présence, elle présente. Laisse-la terminer. C'est pas la délibération. Mais elle parle pas de l'histoire. T'as pas lu la délibération. T'es pas venu la chercher samedi matin, la délibération. Si, mais c'est alors, tu n'as pas lu l'histoire. C'est bien détaillé, je vais le dire tout à l'heure. C'est très détaillé pourtant. Non. Donc, je vais aller jusqu'au bout. Donc, nous considérons que la décision du juge des référés est critiquable puisqu'il a considéré qu'il n'y avait pas de délégation consentie au maire alors qu'il y en a bien une. Elle manquait juste de précision. Et puis, aussi parce que nous avons des doutes sur l'authenticité de certaines pièces apportées au dossier. Donc, je vais vous lire le projet de délibération concernant ce contentieux. Sauf si vous avez des questions. Bah, dedans, il y a les explications. Bah, on n'interrompt pas celle qui parle. C'est vrai, tu as raison. Et c'est avant de lire la délibération, éventuellement, si on a des questions. Mais comme dans la délibération, c'est avant de voter, mais je vais lire la délibération parce que tout est détaillé dedans. Madame le maire informe l'Assemblée d'un contentieux qui oppose la commune de Saint-Rémy-l'Honoré à M. Jaco Carmichael en raison de la construction d'un garage en méconnaissance des dispositions du Code de l'urbanisme et du plan d'occupation des sols alors applicables. M. Jaco Carmichael a déposé en mairie le 1er octobre 2004 une demande de permis de construire d'un garage d'environ 125 mètres carrés sur son terrain cadastré section B numéro 273 et 274. Le projet n'étant pas conforme au plan d'occupation des sols alors applicable, la commune lui a demandé par courrier du 7 octobre 2004 des pièces complémentaires afin de traiter sa demande. Mais M. Jaco Carmichael n'a pas fourni les pièces sollicitées et son dossier lui a donc été retourné le 5 janvier 2005. Malgré tout, la direction départementale de l'équipement des Yvelines a constaté l'existence de travaux sur la parcelle de M. Jaco Carmichael le 12 janvier 2005. Par courrier du 21 septembre 2006, la commune de Saint-Rémy-l'Honoré a repris contact avec M. Jaco Carmichael afin de l'inviter à faire cesser l'infraction. Par courrier du 23 octobre 2006, M. Jaco Carmichael s'est donc engagé à démolir le garage édifié illégalement sur son terrain. À ce jour, aucune démolition n'est intervenue alors que ce terrain se situe en espace boisé, en zone naturelle et dans le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Par une assignation en date du 13 février 2015, la commune a saisi le juge des référés afin d'obtenir la condamnation de M. Jaco Carmichael à procéder à la démolition du garage implanté en l'absence de tout permis. Par une ordonnance en date du 2 juillet 2015, le juge de première instance a rejeté les demandes de la commune au motif qu'aucune délibération du conseil municipal n'avait régularisé la procédure intentée par la commune. La commune a fait appel de la décision le 17 juillet 2015. Par la présente délibération, il est demandé au conseil municipal de ratifier l'action en référé intentée le 13 février 2015 devant le tribunal de grande instance de Versailles et d'autoriser Madame le maire de continuer à représenter la commune devant la cour d'appel de Versailles qui est actuellement saisie du litige. En conséquence, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à s'attacher les services du cabinet Landau Avocat, domicilié 137 rue de l'Université à Paris 7e, pour obtenir l'exécution de l'engagement de M. Jaco Carmichael de démolir sa construction et la cessation du trouble manifestement illicite découlant de la méconnaissance des règles d'urbanisme. Par cette affaire, il est demandé au Conseil de bien vouloir autoriser Madame le maire à représenter la commune devant les juridictions saisies, tant en première instance qu'en appel ou en cassation, ainsi que de s'attacher à cette fin les services du cabinet Landau et associés domiciliés 137 rue de l'Université à Paris. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, délègue à son maire, Madame Toine Bourra, la compétence pour représenter la commune en justice, tant en première instance qu'en appel ou en cassation dans le cadre des affaires opposant la commune à M. Nicolas Jaco Carmichael.
désigne le cabinet d'avocats Landau Associé, 637 rue de l'Université à Paris, pour assurer la représentation de la commune en justice dans le cadre des instances visées à l'article 1 de la présente. Précise que la présente délibération sera transmise aux représentants de l'État et fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un délai de 2 mois. Donne pouvoir au maire afin de poursuivre l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il une demande de précision par rapport à ce que je viens d'expliquer, par rapport à prélecture de la délibération? Tu dis dans une ligne espace boisé, donc c'est espace boisé classé, donc ça a aussi son importance. Espace boisé classé, tu as raison. Et naturel, et par contre le PNR n'était pas créé à l'époque du délit. Se situe en espace boisé classé. Il était créé en 2011. En zone naturelle. Et donc à l'époque tu dis que c'était le parc naturel n'était pas. On n'avait pas encore adhéré au parc naturel à l'époque. Merci pour ta remarque. Autrement, ce qui revient à dire là, donc il y a rétroactivité, tu nous demandes une rétroactivité sur la délégation. Non, là c'est pour pouvoir. Sur l'action. C'est pour l'appel. Qui va c'est pour l'appel. Mmh. C'est juste pour l'appel. Et ouais. L'appel a été déposé le 17 juillet. Non, c'est ça. On a fait appel le 17, mais c'est pas encore passé. D'accord. Ça n'a pas encore été traité par le tribunal. La délégation, c'est. La délégation qu'on a prise tout à l'heure, c'est pour les affaires générales. Maintenant, on ne peut plus avoir de. Oui, non, mais je ne te parle pas de celle-là, je te parle de celle-ci, concernant Nicolas Jacquin. La délégation. C'est donc, pour enlever tout doute, parce qu'au lieu de se battre avec le juge des référés qui dit qu'il n'y avait pas de délégation, alors qu'il y en a une en réalité, on s'est dit, on va prendre une délibération, comme ça. Ça n'est plus du tout, sur ce point-là, n'est plus du tout attaquable. Donc là, c'est en cours administrative d'appel. En appel. Oui, en appel. Donc, c'est pas ce qui était écrit dans la première version. Je ne sais pas si ça correspond exactement à ce que tu as lu. Maintenant, quel passage ? Par la présente délibération, il est demandé au conseil municipal de ratifier l'action en référé, intentée le 13 février 2015. Donc c'est bien. La question à laquelle on t'a répondu non. C'est bien la première action. Tu reviens sur la première action. Si tu vas en appel, c'est pour. Oui, non, mais la première action, elle a été jugée par le tribunal. Derrière l'appel, lui, il va juger sur l'action du délibéré du tribunal précédent. Devant le tribunal de grande instance, la fin d'autoriser même. Il ne le fait pas sur une modification qui arrive après. Et d'autoriser même à présenter la commune. Sur le fond. Il va pas, lui, la cour d'appel va pas juger sur la modification du contenu de ce qui aurait pu être pris en compte lors du 13, lors oui, de la demande de toute du 13. Façon, voilà, c'est la même affaire après. Oui, non, mais là, c'est la même affaire, mais après, là, ça fait une rétroactivité. Pour moi, si. Bon, ça change rien. Hein, non, ça fait une rétroactivité. Ouais. Ah, pour l'appel aussi. Oui, mais après, elle appelle. Mais si elle ne fait pas pour le premier, elle perd. Moi, sur le fond, ça me gêne un peu. Bon, c'est pas grave, tu t'exprimes lors du vote comme te semble. Y a-t-il d'autres questions? Oui, moi, je voudrais connaître l'enjeu réel pour la commune, enfin, l'intérêt collectif de cette action. Donc le but c'est de faire il y a un pas garage. Plus d'intérêt que dans un autre cas, mais c'est un cas d'infraction d'urbanisme. On a été clair dans les différents messages qui ont été passés sur la fermeté concernant les cas d'infraction d'urbanisme. C'est un cas d'infraction d'urbanisme. Ouais, c'est quand même un cas. Il n'est pas mieux ou moins traité qu'un cas d'urbanisme. C'est un cas. Non, le cas d'infraction, là, il est avéré tout à fait, parce que ça lui était demandé de le démonter, il n'a pas fait. Donc il est avéré. Non mais là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est quand même un cas qui remonte à 2004. Ouais. Donc il y a eu des actions effectivement, mais depuis fin 2006, aucune action de la commune. Donc pendant plus d'un mandat, la commune n'a pas jugé bon. La commune n'a pas jugé bon de relancer parce que M. Jaco Carmichael, par un écrit, s'était engagé à se mettre en conformité. Enfin, pendant un mandat et demi, ça fait quand même long. Si je peux répondre au fur et à mesure. Tout simplement, ce monsieur s'était engagé auprès de l'ancienne équipe municipale à se mettre en conformité et à détruire le garage illégal. Donc voilà, alors peut-être après, ils ont fait-ils confiance et ne sont-ils pas allés vérifier. Voilà, ça j'en sais rien. Le fait est qu'il y a une infraction avérée et.
Enfin, moi, je voudrais quand même aller au bout de l'histoire. C'est que pendant plus d'un mandat, la commune donc, n'a pas jugé bon d'engager des poursuites. Mm-hmm. Par contre, mi-2014, donc, M. Jacquot a intenté une action de recours contre la commune, contre l'équipe qui a remporté mais je vois pas le rapport avec l'objet de la délibération là. Bah, j'aimerais bien. Maintenant, je vais vous recentrer sur le débat ne porte pas sur la motivation de mettre cette affaire en justice. Là, l'objet de la délibération et des débats, le débat, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec la délibération? Le débat, c'est l'intérêt est-ce que collectif. Vous autorisez? Non, on n'est pas en train de se demander. L'intérêt collectif, c'est que si tu veux adresser un problème par rapport à une construction illicite, tu ne peux pas tolérer à côté des personnes que tu laisses tranquilles. Ça fait la jurisprudence. Oui, mais alors là, il faut réagir comme ça sur toutes les choses. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de ça et moi qui peuvent se faire des soucis. Très nombreux. Ben ça, tant que ça n'est pas passé à la connaissance. Tant que c'est pas connu. Tant que c'est pas. Alors, toutes celles qui sont portées à notre connaissance, il y a eu des procès-verbaux d'infraction urbaniste. Donc, depuis 10 ans, il s'est passé autre chose. Moi, je voudrais quand même aller au bout de ce que j'ai à dire. Dans la mandature précédente. Oui. Il y a d'autres choses aussi. Là, c'est ceux qui sont connus aujourd'hui. Et le message, c'est voilà, tout ce qui est construit aujourd'hui doit respecter les permis de construire. Exactement. Et les questions, il y avait eu des engagements de l'un et l'autre par rapport à la commune, s'ils ne sont pas tenus. Non, mais là-dessus, pour le. Il y a des engagements. Je ne critique pas le fait que l'infraction ait été relevée, je ne critique pas ça. Ça n'a rien à voir. J'étais suffisamment dans un métier qui fait que bah, quand il y a une infraction de constatée, on la sanctionne. Je suis d'accord avec toi. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est cette rétroactivité qui me gêne. C'est tout. Écoute, tu veux te rendre en avec. C'est simplement ça. Par contre, je tiendrai par rapport aux deux autres dossiers, vu qu'on les a traités ensemble, je tiendrai le langage que je tiens là, c'est-à-dire que ils doivent être sanctionnés, les affaires sont dans la continuité de ce qui a été pris quand ça a été commencé. C'est dans la continuité. Après, c'est vrai que là, après une interruption de 8 ans, ça fait. Il y a de quoi se poser des questions. Oui, voilà. Je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'il a essayé de jouer sur le temps, justement, en laissant le temps. Non, mais je comprends. Mais encore une fois, moi, je voudrais vous recentrer sur l'objet de la délibération. Je t'ai dit. Voilà. Ce que j'en pensais. Donc, est-ce que vous avez des questions? Moi, je voudrais quand même aller au bout de ce que j'avais à dire sur cette procédure qui me gêne énormément. D'accord. J'ai entendu, il n'y a pas si longtemps, parler de liberté, égalité, fraternité. Mmh. Et moi, il y a quelque chose qui me gêne vraiment dans cette action. Égalité. Égalité. Fraternité. Égalité, oui. Donc, une affaire qui date de 10 ans. Pendant longtemps, on ne fait rien. Monsieur Jacquot, c'est vrai, a été très actif dans la vie positive de la commune. Tu t'égares encore une fois, Isabelle, je disais te dire. On n'est pas en train de se demander est-ce qu'on va en justice pour cette affaire d'infraction d'urbanisme comme l'affaire lambda d'urbanisme qu'on a constaté. La question est de se dire, la délibération, elle porte sur le fait que vous m'autorisiez à représenter la commune dans cette affaire, dans le cadre de ce que je viens de vous énoncer. Donc d'aller en appel et d'aller au bout de pouvoir aller en appel, représenter la commune en appel. Enfin, moi, la question n'est pas moi, je m'interroge vraiment si cette affaire est traitée comme une affaire lambda. Autre Saint-Rémois, s'il y aurait. Mais il y en a d'autres sur les Saint-Rémois, tu ne peux pas dire ça. Il y en a d'autres des Saint-Rémois. Sur des faits récents. Il y en a d'autres des Saint-Rémois. Et bien, malheureusement, on n'est là que plus récemment. Donc, on ne peut pas. Cette affaire-là. On ne peut pas. Ben oui. Ben, elle en fait partie. Dans la délibération, on va quand même cette fois le nom de Jacquot Caracal. Donc, maintenant, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Donc, concernant cette délibération, qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour. Qui s'abstient? 1 s'abstient. Qui est contre? Un contre, ne vous trompez pas parce que du coup on n'est que 12 votants. Non, il n'y a pas. De toute façon, c'est les présents et comme les pouvoirs ont été donnés. Je vous remercie, on peut aller chercher monsieur.
convention avec la commune des Ménules. Juste une petite question. Quid du vote de Madame Lapierre? Pardon? Quid du vote de Madame Lapierre? Ah. Alors c'est simple, alors je vais te le dire tout de suite, c'est simple. Comme tu es une personne qui a quitté la salle par obligation, tu as un pouvoir de Madame Lapierre. Donc le vote n'est pas pris en compte. D'accord, alors alors qu'elle a donné son pouvoir à toi. C'est comme ça, c'est la règle. Je l'ai regardé, je l'ai vu tout à l'heure. Alors, concernant la signature de la convention des Ménules. Alors, les Ménules, c'est une commune qui, dans le cadre de la réforme des études scolaires, fait ses cours le samedi matin. Nous accueillons le mercredi matin les enfants, parce qu'ils n'ont pas classe, donc le mercredi matin, et les Ménules n'ont pas de structure. Il n'a pas de structure en matière d'accueil et de loisirs. Donc il s'agit de délibérer sur le projet d'avenant spécifique entre la commune de Saint-Rémy-le-Noré et des Ménules. Mais il y a eu des précisions apportées, des précisions tarifaires. Donc peut-être que Patrick, tu peux en dire deux mots. Oui. Donc en fait, par rapport à cette convention des Ménules, nous ouvrons le centre des loisirs le mercredi matin et par conséquent, comme nous n'avons pas d'autres enfants que ceux des Ménules, nous avons demandé à ce que les Ménules prennent en charge le coût complet du centre le mercredi matin pour les deux personnes qui encadrent les enfants, quel que soit le nombre d'enfants. Donc en fait, dans cette convention, donc, par rapport à celle que vous aviez eue, il y a quelques modifications. C'est-à-dire que pour l'année scolaire 2015-2016, le forfait de l'accueil de 8h à 2h est fixé à 137 €. Et le seuil en fait, est fixé à 11 enfants. C'est-à-dire que tant que le seuil de 11 enfants n'est pas atteint, la commune des Ménules paye 137,30 €. Prend en charge. Et l'après-midi, à ce moment-là, le prix est de 17,70 € par enfant, comme pour les autres enfants externes. Je lis la convention. S'il n'y a pas de questions, oui. Hein. C'est bon, vas-y. Donc, avenant à la convention au centre de loisirs Saint-Rémy-le-Noré spécifique à la commune des Ménules pour l'accueil des enfants le mercredi matin durant la période scolaire. Entre la commune de Saint-Rémy-le-Noré, si la Saint-Rémy-le-Noré 17 rue du professeur Marié Saint-Rémy-le-Noré, représenté par son maire, Madame Toine Bourra, et la commune des Ménules, 6 en mairie, 6 grand rue des Ménules, représenté par son maire, Monsieur Michel Roux. Il est convenu ce qui suit. Accueil du mercredi durant la période scolaire, le centre de loisirs de Saint-Rémy-le-Noré accueillera les enfants de la commune des Ménules les mercredis matins durant la période scolaire de 8h à 12h. Et les mercredis après-midi, les enfants seront accueillis par les enfants des autres communes, avec les enfants, pardon, des autres communes de 12h à 19h. Rémunération du personnel encadrant. La commune de Saint-Rémy-le-Noré facturera à la commune des Ménules la rémunération des deux animateurs titulaires des diplômes ou brevets exigés par les autorités compétentes et dans le respect des normes d'encadrement définies pour la demi-journée, les mercredis matin, quel que soit le nombre d'enfants accueillis au centre de loisirs. Pour l'année scolaire 2015-2016, le forfait de l'accueil de 8h à 12h est fixé à 137,30 € et pour les mercredis après-midi, le prix est de 17,70 € par enfant, repas compris. Période de fonctionnement, la commune des Ménules se réserve le droit, à l'issue de la période 2015-2016, de ne pas reconduire l'accueil des enfants des Ménules si le nombre d'enfants est insuffisant, le seuil étant fixé à 11. Une petite modification par rapport à la vôtre qui était à 9. Fait en deux exemplaires en ligne, ça a été 1er octobre 2015. Je peux ajouter que l'ouverture du centre, ça va nous permettre quand même d'avoir un peu plus d'enfants le mercredi après-midi, notamment, puisque nous aurons des enfants des Ménules. Des questions ? Merci bien, des questions. Bon. Qui est pour ? Alors, juste, oui, il y a une question. Pour quelle raison au 1er octobre 2015, la convention que déjà signée maintenant n'est pas celle que vous voulez dire? Si, c'est la même qui a expliqué. J'ai dit au départ qu'il y avait quelques modifications. Il y a une modif. Vous avez la nouvelle de D'autre part, alors je vous dis des questions de. Pourquoi on n'a pas C'est bien. Les enfants des médias seraient déjà accueillis.
Alors, d'accord aujourd'hui. Comment? Les enfants démunis sont déjà accueillis. Depuis, on vient de dire que c'était depuis la rentrée des classes. D'accord, donc là on régularise une convention qui est en cours d'exécution. Oui. C'est possible, hein. Pardon? C'est possible. Oui, c'est possible. On se met tout le temps dans les contrats. Non, non, mais même. Oui, mais c'est tout. Nous avions convenu, bien sûr, avec le maire des menus, ce qui est écrit ici. Il n'y a pas de pardon pour nous. Alors, qui est pour? Ils sont tous d'accord. On va passer au vote. Qui est pour? Alors, 12. Et abstention, 2 abstentions. Donc, l'ordre du jour concernant les prises de délibération est terminé. Dans le cadre des délégations prises par le maire doit rendre. C'est quoi ce projet de délit ? Ah oui, c'est pour les minutes. Dans le cadre des délégations prises par le maire doit rendre compte au conseil des décisions prises. Et donc, dans un souci pour améliorer l'entretien du village, j'ai pris la décision numéro 2 le 11 septembre 2015, qui consiste à signer le contrat pour une mise à disposition d'une balayeuse pour les nettoiements des voies communales principales, que j'ai signé, je vous énoncerai le nom des rues après, que j'ai signé avec l'entreprise Cépure, ZA Dupont Caillou, Route des Nourrices à Tiverval, Grignon, pour un montant de 645 euros taxes correspondant au forfait balayage, plus le traitement des déchets, quel que soit le tonnage. Date d'effet du contrat fixée 1er octobre 2015 pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite de production chaque année, sans que la durée totale n'excède 3 ans. Et que donc la présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la commune et un extrait en sera affiché à la porte de la mairie. Donc les rues concernées sont la rue du professeur Marié jusqu'en bas avec la rue de la Paix, puis à la rue Saint-Nicolas, la rue du Long des Bois jusqu'au tennis, la rue des Pâtis et la rue de la Lombarderie. Les rues de la Plaine. Rue de la Plaine. Oui, on commence à la rue de la Plaine, rue du professeur Marié. Non, c'est la rue de la Plaine. Oui, ça commence de là. Oui, Marié. Voilà, Marié, La Paix, rue Saint-Nicolas, rue du Long des Bois jusqu'au tennis, rue des Pâtis, rue de la Lombardelle. Voilà en ce qui concerne les décisions. Vous avez une question, s'il vous plaît ? Pardon ? Oui, oui, une question. La décision que vous avez prise indique pour un montant taxe de 645 euros hors taxe. Oui. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on utilise la balayeuse, ça coûte 645 euros hors taxe, c'est là. Oui, en fait, c'est un contrat en avril sur l'année, c'est 645 euros hors taxe par mois. C'est pas précisé. Ça paraît logique. Quand on connaît un peu les prix, quand même, du tout de suite, je pense que ça va 600 euros. Moi, je pourrais comprendre que 645 euros pour l'année. Pour l'usage ou pour l'année. Je ne sais pas. Enfin, on ne sait pas. Mais 645 euros par an, c'est pas tout à fait. Oui, mais je vais le rajouter. C'est ce qui est écrit. Vous allez rajouter, sauf que la décision est prise dans 7 ans. Mais 600 euros par an. Mais c'est ce qui est écrit, je suis désolée. Oui, une penteuse, je sais, c'est ce prix-là. Mais par contre, ce que dit cette décision. Se pose même pas quand on a un peu de gingembre. Alors, je vais passer à vous. Dans ce cas-là, il y a un souci. Par mois, quel que soit le nombre d'usages de cette machine. Mais c'est quel que soit le tonnage des déchets récoltés. Mais ce n'est pas précisé. La manière dont on peut le dire, c'est que c'est pour l'année, puisque normalement, c'est pour l'usage. Ou pour chaque fois. Ce qui est écrit là, c'est que précisera par mois, je l'ai dit. D'accord. Ça ne peut pas être plus clair. Non, mais ça, c'est déjà fait. C'est le 11 septembre, c'est signé. Ce sera annexé au contrat. Parce que ce sur le modifié. Contrat, il est bien précisé que c'est un contrat 645 euros par mois. Alors, concernant les infos. Attendez, il y a une question. Qui l'a conduit? Non, mais c'est une bonne question. Qui l'a conduit? C'est avec un chauffeur. C'est moi qui l'ai conduit. C'est pas moi qui passe la balayeuse en village. Il y a pas de chauffeur avec. Ni moi d'ailleurs. Mais ça veut dire que donc le personnel vient de tout. Non, c'est avec le chauffeur. C'est la Cépure. Non, mais moi je lis si vous allez signer. Oui, mais c'est la décision. Le contrat de mise à disposition d'une balayeuse, est-ce que là-dedans il inclut le personnel pour la mettre en œuvre? Oui, monsieur. L'essence. Oui, s'il crève aussi. Et à quelle fréquence alors par mois, c'est combien de passages par mois?
Ben en fait, on a signé 645 euros hors taxes par mois. Il y a des périodes où on les fera passer deux fois dans le mois et des périodes où ils ne passeront pas du tout, mais en moyenne, ils passeront 12 fois dans l'année. Parce qu'au moment où il y aura des fois, 12 fois dans l'année. 12 fois dans l'année à 645 euros hors taxes par mois. Et ça, c'est ce qu'elle a en contrat aussi. En fait, ça correspond à 12 passages oui. par an. On se mettra d'accord sur un planning, en fait, avec eux. Et pas forcément une fois par mois. C'est... Voilà. Et par exemple, les périodes de il y a moins, et au moment où il y a des feuilles, on pense plus. On pense plus trop. Quand on évite que les regards se bouchent. Quand il arrive décembre, janvier, février, il neige, il passe pas. Bien sûr. De moins en moins, c'est la même. Alors, on passe aux infos que j'avais à vous donner. Là, vous avez donc parlé des décisions que vous avez pu prendre au titre de l'obligation. Ce sont les seules décisions que vous avez prises depuis le dernier conseil. Alors, c'est pourquoi un peu sûr, c'est des questions pièges. Non, mais bah oui, Qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas une question piège, c'est entre chaque conseil, en votre vous évoquez cette balayeuse. Y a-t-il eu d'autres décisions que vous avez pu prendre depuis au titre de vos non, il n'y a pas de décision. Gardez vos adjectifs. Il n'y a pas d'autres décisions. Non. On a fait parler. Si vous pensez à quelque chose, dites-le. Voilà. On a pris une délibération, donc c'est plus décision. Je ne sais pas, c'est autre chose. Je pense à la rénovation du foyer oral, par exemple. Ah le budget, la rénovation du foyer oral. Le budget qui a pu être décidé par Mme la mairesse pour prendre. Non, c'était de l'entretien, ça. C'était des pots de peinture et des. Je ne sais pas, moi je vais constater la qualité du travail fait, c'est tout. Je vais voir autre chose. Bon alors, on va passer maintenant aux infos, enfin, si je peux, c'est la troisième fois que j'essaie de me lancer. Concernant le terrain Martin, nous en sommes pour le moment en négociation avec le médiateur, parce que donc je vous rappelle qu'une DA est arrivée avec une proposition de rachat du terrain par les promoteurs à 1,2 million quelque chose. Nous leur avons fait 1,30 million. Nous leur avons fait une proposition par le biais de l'EPFY à 800 000 euros. Ils ont refusé, ils ont fait une contre-proposition à 950 000 euros. Ce que nous avons refusé, donc l'EPFY a lancé la procédure pour que l'État puisse trancher. Mais là, en fait, le médiateur a pris contact avec moi pour des négociations. Et c'est le PFY qui a repris la main sur les négociations. Voilà où on en est. Quand vous évoquez médiateur, c'est-à-dire ouais, voilà. Parce qu'en fait, les consorts Martin ne s'entendent pas très bien. Et donc, il y a un médiateur qui a été nommé par les services de l'État. Qui représente, enfin, ce n'est pas une médiation entre vous et les consorts Martin. Non. Il représente les médiateurs et les consorts Martin. Les intérêts absolument. Des consorts Martin. Absolument. Ce qui n'est pas tout à fait un sujet. Concernant le PF, le projet Centre-Bourg, avec le PFY, donc nous avons élaboré fin juillet le cahier des charges avec les membres de l'EPFY, Gérard Buisson et moi-même, fin juin, pour pouvoir accélérer le processus. Donc le PFY s'est chargé de lancer l'appel d'offres pour choisir le bureau d'études. Nous avons assisté à l'ouverture des plis. Les trois mieux classés ont été auditionnés. Nous avons assisté à l'audition des trois bureaux d'études sélectionnés. Et bien maintenant, nous attendons un nouveau classement suite à l'audition. Et le bureau d'études qui sera choisi va travailler sur le projet très prochainement, en tout cas avant la fin de l'année, comme il s'y était engagé. Concernant... Est-ce qu'on peut avoir une idée de quel est le cahier des charges? Parce que le centre-bourg, c'est quand même un projet très important pour les Saramois et pour la C'est le cahier des charges, c'est le même dont on s'est parlé dans la réunion d'information ouverte à tout le conseil. On n'est pas allé au-delà, on a suivi ce qui était dit. Il y avait un vrai débat sur le nombre de logements sociaux, sur les cahiers des charges. Ah non, on n'est pas là, ça c'est le bureau d'études. Non, mais le cahier des charges, c'est ce qu'on s'est dit lors des réunions d'information au conseil. Y a-t-il un document? Non, je n'ai pas de document complet aujourd'hui, je vous informe où on en est dans les étapes. Non, mais vous nous informez sur l'élaboration du cahier des charges.
relatif à une parcelle de 3200 m² au milieu du village, ça concerne quand même un petit peu tous les Saint-Rémois. Donc, c'est pas le cahier des charges, alors comme quoi, je sais pas, vous étiez là pourtant à ces réunions-là. C'est ces deux réunions d'heure, vous avez été présente. Cette réunion privée ? Si, elle a été présente. C'était pour la réunion d'information concernant le PLU, monsieur Jacques n'était pas là. Mais pour les deux réunions concernant le centre-bourg, il était bien là. Et donc, le cahier des charges ne concerne pas simplement la parcelle Martin, ça concerne la réflexion globale sur l'aménagement du centre pour régler nos problèmes de stationnement. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, je pense qu'on s'en est parlé suffisamment avant, mais ça concernait le départ éventuel de la clinique ou pas, dans les différentes propositions qu'ils auraient à nous faire, l'aménagement de zones de stationnement, de ce que pourrait devenir cette propriété Martin, donc voilà. Et est-ce qu'on peut avoir une vision de ce cahier des charges ? On pourra vous le remettre, mais il a servi, c'est un peu obsolète, parce qu'il a servi... Lors de la réunion, pour vous rappeler le PFY, ce monsieur Trévaillant a présenté ce qu'était le PFY, grosso modo, et quels étaient ses modes d'action, ses moyens d'action. Non, mais nous, on a discuté ensemble. Vous avez fait un petit retour sur les idées générales qui étaient sorties de nos deux grandes réunions. C'est ce qui a constitué qu'il y a des charges auxquelles vous faites allusion. Oui. Ben, ça serait bien qu'on puisse en disposer. Ben, si vous voulez, on vous en remettra. Et vous parlez d'un appel d'offres. Quel est l'appel d'offres que le PFY ou la commune a fait? Ben, c'est pour pouvoir choisir le bureau d'études. Mais donc, le PFY est mandaté par quelque chose. Enfin, par le PFY. Il est mandaté par le PFY. Pour élaborer un cahier des charges qui est Non. Il s'est basé sur le cahier des charges pour travailler sur, pour présenter des idées et pouvoir être sélectionné et faire partie des bureaux d'études qui pourront travailler précisément sur le projet de la commune. C'est décrit dans la convention, tous ces travaux-là. Ah, moi, je note qu'on aura donc ce cahier des charges de tout, madame Moura. Ben, si vous en faites la demande. Par mail, par téléphone, comment ça se passe? Quand vous voulez. Par mail, mais pas sur les mails privés, s'il vous plaît. Vous pouvez faire un mail à la mairie. Comment ça se passe là? Donc, bon, voilà. Voilà ce qui concerne le PFY. Concernant le sujet du MAPA, bail d'entretien et petits travaux, donc c'est l'ingénierie qui se charge de faire tout le travail pour nous, on les en remercie. Donc les analyses sont toujours en cours d'analyse pour le moment par l'ingénierie. Ce qu'on peut vous dire, c'est que 5 entreprises ont répondu à l'appel d'offres. Et en ce qui concerne le projet centre-village, il y avait eu 12 bureaux d'études qui avaient postulé. Maintenant, je vais passer la parole à Nicole Vacher qui va vous parler d'une association, on va dire, qui s'appelle Plus Divine. Juste un petit peu d'inscription. C'est ça qu'on offre pour ça, pourquoi? Le bail d'entretien. En fait, c'est le bail d'entretien petite maçonnerie dont on vous a parlé lors d'un précédent conseil. Une petite maçonnerie de voirie, c'est pas la même chose, hein, messieurs. Enfin, peut-être que je suis sans doute un peu aussi, mais pour moi, c'est pas la même chose. Non, mais il y a parfois de la petite maçonnerie liée à de la voirie. Vous êtes obligé de faire un peu de maçonnerie, donc ça englobe. C'est l'appel d'offres qui a été confié à l'ingénierie. Voilà. L'agence ingénierie. C'est bien. Nicole, si tu viens d'en parler. On a eu connaissance à la fois Julien par le CITER et puis Jean-Luc et moi par le PNR de l'existence d'une association qui se monte actuellement dans les environs. dont le but est de faire de l'autostop communautaire. Ça se base sur un modèle qui a été mis en place dans différentes régions par une association qui s'appelle Réseau Pousse. Et donc l'association Pousse Divine cherche à se monter en s'appuyant sur ce modèle-là. On s'était dit que ça semblait assez approprié pour notre commune. Donc il y a déjà plusieurs communes des environs qui ont adhéré. Il y a eu Bazoches, il y a Méret qui est meneur dans le projet, il y a Boissy sans avoir, enfin des communes vraiment juste à côté, Marc. Donc le principe c'est de faire de l'autostop sécurisé, c'est-à-dire qu'il y aurait des arrêts d'autostop dans le village.
Alors on pourrait imaginer, je ne sais pas, donc le gros besoin, ça serait entre le centre-village peut-être et la gare, et de sécuriser l'autostop, puisque les gens adhèrent, se présentent en mairie, doivent présenter leur carte d'identité, et suite à ça, on leur donne une petite carte qui permet de s'identifier, donc aussi bien l'autostoppeur que le conducteur. Donc ça paraît être un projet qui permettrait au moins là, pour le moment, de combler le manque de transport qui existe entre la gare et le centre-village. Alors, il faut savoir aussi, je peux compléter, c'est que l'association fait porter le projet par les communes, essentiellement. Donc le responsable, c'est Pierre Soin, le maire de Marc. Et il y a déjà des communes qui sont, 7 communes, 6-7 communes qui sont déjà à nœud pour justement mettre en place ce réseau Pouce-Divine, pardon. Et comment dire, moi je vous invite, si vous êtes intéressé par le projet, de voir le détail de ce projet, allez sur Transition in Ben ou Villiers Saint-Frédéric. Et il y a des pages de présentation sur ce. Après, ils ont un site, de toute façon, ils ont un site même. Après, qu'est-ce qu'on dédié. Et pourquoi la commune? Alors, parce qu'en fait, la commune adhère à l'association, donc il y a un coût par habitant qui est de 25 centimes par habitant pour adhérer à. Pardon. 1500 fois 0,25. 25 par 4, 750, 375 euros par an. Ça représenterait 375 euros par an. Vous avez mis en fait, c'est pour aider à développer le logiciel. Parce que l'idée, c'est que ça soit un petit peu interactif. Quand on a envie de faire un trajet, on poste sur l'appli et le chauffeur qui est à proximité valide. En disant, je suis prêt à prendre cet autostoppeur pour assurer le trajet. Ah, ouais. Oui, ça peut fonctionner aussi. C'est un peu mini Babacar. Hein. Non, même pas. Pour un trajet immédiat. Oui, et puis ça pour un trajet immédiat qui part des sans échange d'argent. Personne à bord, mais peut en. Alors, l'objectif c'est. Bon, le Babacar, c'est le grand truc national, international. Là, c'est du local. C'est purement local. Et c'est ça. Cet autostop, c'est quasiment du coup. Sur le pare-brise, ils sont en contact systématiquement. Et en fait, toute la force de ce développement-là, ça s'adresse surtout aux communes rurales qui n'ont pas de grosses infrastructures. On ne peut pas mettre un bus entre la gare et le centre-ville. Et du coup, c'est d'essayer de profiter des transports personnels et sécurisés, parce qu'aujourd'hui, faire du stop, on voyait des enfants mineurs en autostop par les temps qui courent, c'est pas la même chose il y a 20 ou 30 ans. Et donc, d'offrir une sécurité à la fois pour les usagers, pour les parents, les responsables, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner. Et ce serait une offre que je trouve très pertinente, notamment pour les adolescents, les mineurs, les jeunes qui n'ont pas de véhicule, qui n'ont pas le permis de conduire, où la commune ne peut pas développer un bus, dire « allez, on vous achète un bus pour aller pour sortir à Saint-Quentin où vous voulez sortir ». Mais la commune, elle aide. Elle participe à ce réseau Pouce d'Yvelines pour dire, bon, ben voilà, les jeunes, vous avez la possibilité de faire le stop. C'est une offre que la commune pourrait... Enfin, je trouve que c'est assez pertinent d'adhérer à ce réseau-là. Quoi. Alors, sachant que ça ne cible pas forcément que les jeunes non plus. Non, parce que de toute façon, là, ça se base qui vont au marché, voilà, aux États. Ça se limite aux plus de 16 ans. Il y a les pôles commerce. Ça se limite aux plus de 16 ans. Voilà. Bah, les ados entre 16 et... Alors, non, à partir de 16 ans. À partir de 16 ans. C'est alors, parce que pour une question d'assurance, de prendre après des trop jeunes conducteurs, c'est pas la même charge de responsabilité pour le conducteur de prendre un adolescent de 13 ans que de prendre un jeune de 16 ans. Il n'y a pas la même responsabilité. Après, c'est l'association qui a fait ce choix-là. Et donc aujourd'hui, ça existe dans le sud de la France, ça s'étend dans la Savoie, du côté de Chambéry. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas d'application, il fonctionne sans application. Ça se fait par l'inscription à la mairie. Et donc il y a des arrêts qui sont faits, ça peut être 2-3 arrêts suivant les villages. Pas besoin d'un développement important
Et on peut le faire, on peut le, ça peut être mis en place, l'arrêt peut être mis, par exemple, là où il y a l'arrêt de bus ici, ça correspond tout à fait. Ça peut être, après, il y a des conventions qui existent entre le réseau et le transporteur qui supportent les panneaux, justement, d'arrêt de réseau, parce que les gens ne vont pas aller chercher une personne de l'autre bout de Saint-Rémy pour l'emmener là où elle veut. Il y a un point d'arrêt qui se situe à tel endroit, ou à tel autre endroit, ou à tel autre endroit. Oui. Stop tel qu'on connaît. Non, mais c'est pas là, du stop, tu te mets au bord de la route, tu tends la jambe ou le pouce, c'est un endroit sécurisé. Cela dit, nous serons amenés à délibérer lors d'un prochain conseil sur le sujet, donc il nous a semblé intéressant de vous donner l'info dès ce soir pour que vous puissiez vous renseigner. Dans le cadre de cette délibération, pensez que la mairie de, des Essarts a mis en place un bus qui ramasse notamment, qui passe à Saint-Rémy tous les jours, matin et soir, mm-hmm. qui permettrait pour peu que la commune se soucie de voir de quelle manière s'arranger avec la commune des Essarts. Assurer le ramassage notamment de tous ceux qui prennent le train, soit en direction d'Angers, soit en direction de Paris, à la gare de Dessart, il serait bien de prendre contact avec eux pour voir de quelle manière leur bus quasiment vide, qui dessert, je crois, deux fois le matin, deux fois le soir, la gare, pourrait être utilisé, sachant qu'il passe à dans trois endroits à Saint-Rémy. Oui, mais il est inverse, pour le moment, il est inverse au flux. Pas dans le même sens. Ouais. Ouais. Dans le flux. Ah, non. Plus. Si. Ah, bah, vous avez aujourd'hui des salles, moi, qui payent 800, je crois, 80 euros par an pour pouvoir faire deux allers-retours matin et soir à la gare des Essarts, et a priori, c'est dans le bon sens. C'est ce bus-là qui est utilisé. Alors, pour avoir fréquenté le bus, c'était en sens inverse. Mais enfin, ça a peut-être été modifié récemment. Non, mais là, je vous dis, c'est ce qui se fait depuis, en tout cas, septembre à avant, je ne sais pas comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, il y a des Essarts, c'est pas des Essarts, notamment pour Saint-Hubert, etc., qui passent par Saint-Rémy. Je pense qu'il serait bon de bonne à loi de les contacter, de voir de quelle manière. Oui, mais il y a des. Pour faciliter le déplacement de ces voiles jeunes. Il y a les représentants des syndicats concernés qui sont en train de travailler sur le sujet, effectivement. Donc, concernant la formation des élus, le droit à la formation des élus, dans le cadre de la préparation du budget 2016, voilà, je vous demande de me faire part de vos besoins en formation, sachant que les formations des élus doivent être adaptées à leurs fonctions. Concernant les syndicats, je voulais juste vous informer qu'un bilan des rapports d'activité 2014 sera présenté lors d'un prochain conseil. Est-ce que vous donnerez une liste peut-être ou un panel des différentes formations possibles, des budgets qui s'y sont alloués, pour que chacun se détermine. Ben, faites-moi part de vos demandes de formation et puis nous après. Ça existe en fait. Moi, j'aurais besoin d'une formation sur le budget politique, pour comprendre. Ben, c'est déjà bien de faire une formation. Vous proposez, en tout cas, de lister les différents organismes, les différentes formations, leur coût et leur durée, afin qu'on puisse chacun, si tant est qu'on en sente le besoin, y souscrire. Mm-hmm. Moi, j'ai déjà exprimé mon souhait. Oui, Jean-Luc aussi. Donc, voilà, pour ceux qui n'ont pas fait, en tout cas, maintenant, on a des propositions. On arrive à la partie questions diverses, questions orales, soumises par écrit. Donc, en ce qui concerne, je prends les questions de Madame Bretéchet. Alors, concernant les... Je les ai, je vais vous apporter les réponses directement. Alors, le respect du droit à l'expression des conseils municipaux et plus précisément retour sur le conseil municipal de juin dernier, consentement du conseil municipal et délibérations prises en avril dernier. La question est un peu vague, on va dire large. Oui, c'est parce que par écrit, on aborde le thème, mais la question, on peut la poser. Le sujet, on peut l'exprimer plus. Bon, ben c'est pas ce qui était précisé dans la délibération, c'est de oui, pas c'est parler parce du que thème, la délibération, c'est de poser mais la question dans la CGCT. Oui, mais dans la délibération qui a été prise, on vous a demandé de poser vos questions 48 heures à l'avance, et pas de m'informer sur le thème qui concernait la question que vous alliez poser. Ben, le point est quand même suffisamment précis. Le point étant large. Je vais vous faire une réponse aussi du même type. En fait, donc les conseillers municipaux, concernant le respect du droit d'expression des conseillers municipaux, quelle que soit l'importance démographique de la commune, tout conseiller municipal, dans ce cadre de sa fonction, doit être informé des affaires de la commune faisant l'objet d'une délibération.
les conseillers municipaux ont le droit de s'exprimer sur les affaires soumises à délibération au cours des débats et de proposer des amendements au projet de délibération. Ce droit s'exerce sous l'autorité du maire qui assure la police de l'Assemblée et veille au bon déroulement de la séance. Les conseillers municipaux peuvent poser des questions orales relatives aux affaires de la commune, sauf règlement intérieur pris ou délibération prise pour gérer ce point-là. C'est ce que nous avons fait. Mon point ne portait pas sur les délibérations, mais sur la fin du conseil municipal de juin dernier, où après les délibérations, nous n'avons pas pu nous exprimer sur les questions que nous avions posées, et nous n'avons pas eu le droit à la parole à l'occasion des questions diverses. Oui, mais parce qu'il n'y a pas de débat pour les questions. Non, il n'y a pas de débat, mais on n'a même pas pu poser nos questions alors que. Bah, vos questions, elles ont été soumises par écrit, donc je vous expliquais que. Mais les questions qui sont soumises par écrit sont faites pour être lues par oral au conseil municipal. Elles ne sont pas destinées qu'à toi. Bah, c'est ce que. Je vais rappeler ce qui s'est passé, c'est que de mémoire, je vous ai informé que. Toutes les questions que vous aviez posées auxquelles des réponses avaient été apportées au cours de conseil, qu'il n'était pas question pour moi de revenir dessus. Qui est légitime. Qui avait une partie, laissez-moi finir. Ensuite, j'ai répondu à une très grande majorité de vos questions. Alors, je n'ai pas dit si c'est Jean-Luc qui a posé la question, si Isabelle qui a posé la question. J'ai listé les questions et j'ai répondu en précisant que toutes les questions qui n'auraient pas. Auquel je n'aurais pas apporté de réponse ce soir-là, aurait une réponse lors du prochain conseil. Oui, mais elles n'ont même pas été lues. Il y a deux choses. Il y a le fait de poser une question. J'ai répondu à des questions sur même ce à quoi je répondais, c'est ça ? En fait, il y a quelques questions qui ont fait l'objet d'une lecture, des questions choisies, et qui ont eu des réponses. Bon, ben là, je suis bien en train de lire et de vous donner les réponses. Ce n'est pas le souvenir que j'en ai, parce que je ne vois pas comment je peux apporter des réponses. Il était 1h du matin et je pense qu'il y avait l'heure tardive. Peut-être, oui. Mais ce n'est pas une raison. C'est toujours possible de reporter la journée de la séance. Ben, il était pour vous. Sans abonder la séance, j'ai précisé, ça revenait au même, que je répondrai aux autres questions. Ben, c'est le choix que j'ai fait. Je répondrai aux questions qui n'ont pas eu de réponse ce jour-là lors d'un prochain conseil. Qui n'ont pas eu de réponse ce jour-là, faute de temps. Parce que là, il y a le devoir de la journée et de reporter la séance qui suit, donc le lendemain, le surlendemain. Mais si le vous permettez cette partie de la réunion, j'apporte les réponses aux questions, donc ce n'est pas vous exprimer. Non, mais je vous rappelle que. Oui, mais non, vous n'avez pas à vous exprimer. Vous n'avez pas à vous exprimer. Je suis en train de répondre aux questions qui ont été soumises par écrit. Vous n'avez pas à vous exprimer. Désolé, donc je vais répondre à c'est ma question. J'aimerais bien. Donc, voilà. Donc, ce que j'entends, c'était un événement exceptionnel du fait de l'heure tardive et que, bon. Mais parce que. Voilà, très sincèrement, je considère pas ne pas avoir eu des questions. Ça me semble un peu compliqué de répondre à des questions sans avoir d'avoir eu des réponses, sans savoir même à quelle question on répond. Donc, tu avais abordé les sujets ponctuellement quand ils étaient évoqués. Oui, ils ont été choisis et puis. Alors, attitude agressive, voire diffamatoire ou injurieuse de certains conseillers municipaux. Sur ce point, ce que je peux répondre, c'est que dès que je peux apaiser, mon rôle, c'est d'apaiser. Alors, en pour fait, autant, oui, mais attends, en fait, je me suis rendu compte en visionnant la vidéo hier. Que c'était le moment où tu étais sortie. Oui. Mais j'ai une réponse généraliste à faire, c'est au moment où j'ai le compte administratif et donc il n'était pas présent. Moi, pour autant, ce que je voulais vous dire, c'est que on recueille ce qu'on donne et que l'agressivité génère de l'agressivité. Donc ce sera ma réponse. C'est, grave, c'est ma réponse, si vous voulez bien. C'est la partie où je peux m'exprimer pour une fois sans être interrompue. Donc. Ce sera ma réponse. Enfin, vous me pardonnerez de ne pas donner d'autres réponses sur ce point-là. Je t'invite quand même à visionner la vidéo et les propos diffamatoires qui ont été tenus. Je vais certainement pas demander à monsieur Nicolas Jacquot-Carmichael de la visionner une vidéo concernant. D'écouter cette partie, puisqu'il y a une discussion sur la nature de la diffamation. Alors, qu'est-ce que la diffamation ? Non, pardon.
Non, les questions, elles sont écrites, elles me sont transmises. On pense pas. Vous êtes en train de poser une question, c'est ça? Si tu souhaites que je t'écrive par écrit les propos relevés, non, c'est une possibilité. Si tu n'es pas présent, je réponds, j'ai répondu à ta question, donc je vais passer à la question d'après. Alors, donc, moi, j'avais ça à voir pour te répondre, parce que vous êtes très bon, on entend oui. La mairie, et vous expliquez que l'agressivité amène l'agressivité et justifierait la diffamation, les menaces. Voir l'attitude que tout le monde a pu voir ce matin. Monsieur Jacques Carmichael. Non, mais c'est bien résumé. Donc ce serait justifié. C'est hyper grave. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Ou c'est vous qui parlez à ma place. Alors, quand vous dites non, mais c'est l'agressivité ce que appelle l'agressivité. Non, l'agressivité entraîne. Oui. Entraîne, c'est-à-dire. Engendre, il a dit. Donc, verbe entraîner. Donc on a considéré, vous avez écouté la bande audio et Madame Wadéger. Non, mais on était présents de toute façon. Et donc l'attitude de Madame Wadéger était agressive. Est-ce que ça, les questions sont soumises par écrit 48 heures avant le conseil municipal. Monsieur Jacques Carmichael, vous ne pouvez pas monopoliser la parole là pour poser d'autres questions. Non, j'essaie de vous faire. Je vais passer à la question d'après. L'exercice de son rôle par le maire. Et égalité de traitement entre les différents élus. Donc là, c'est pareil, moi, je ne comprends pas. Je voudrais, sur les prochaines questions, je voudrais que tu sois plus précise, Isabelle, s'il te plaît. Excuse-moi, je n'ai pas suivi. Là, c'est ta question numéro 3. Question numéro 4, concernant le délai de prévenance pour les réunions du conseil municipal. Jusqu'à présent, Madame le maire a toujours prétendu ne pas pouvoir prévenir les conseillers dans un délai que celui minimal défini par la loi. Donc 3 jours. La convocation étant signée du 6 courant, soit 2 jours avant son envoi, les conseillers ne pourraient-ils pas être prévenus, ne serait-ce que par courtoisie, à cette date, par simple mail? Donc non simplement, parce qu'il y a toujours des changements de dernière minute. Question 5. Rappel que les délibérations prises alors que non prévues à l'ordre du jour ne sont pas conformes à la loi, quand bien même la majorité, voire l'unanimité des conseillers l'acceptent. Rôle et compétences du maire en matière de respect de la légalité, délibérations prises. Mais de toute façon, toutes les délibérations sont soumises au contrôle des légalités à la sous-préfecture. Non, elles ne sont pas vérifiées systématiquement. Ben, en tout cas, elles sont validées. Le fait qu'il n'y ait pas de retour sur la légalité ne veut pas dire qu'elles sont légales. Elles ne sont pas systématiquement vérifiées. Elles sont toutes visées par le contrôle des légalités et revenues à Bassis. Mais bien sûr, elles reviennent toutes visées par le contrôle des légalités. Mais pas contrôlées. Non. Si. En tout cas, c'est contraire à la CGC. Et donc, juste pour en parler, pour tous les conseils, les questions écrites, je crois que vous vous êtes assez exprimé dans tout le conseil, non, monsieur. Pas, donc là, j'en suis à la partie des questions orales, réécrites. Là, je réponds, c'est terminé. Non, il n'y a plus, les délibérations sont terminées, monsieur. Bien, là, ce sont les questions orales que je vous ai invitées. Puis d'ailleurs, vous ne les avez même pas fournies dans les délais, donc je ne répondrai pas à vos questions ce soir. Je vous la prends. Je vous la prends, mais par contre, vous avez répondu à certaines questions de ce que vous la semaine dernière, la dernière fois, qui étaient fournies 24 ans avant. J'ai pas compris. Ah, j'ai répondu aux questions de monsieur Bien. Alors, question numéro 6, de madame Bretécher. Toutes les questions écrites déjà soumises par écrit à madame le maire, obligation du maire, conflit d'intérêts, fonctionnement de la commission d'appel d'offres. Bon, voilà. Tu vois, c'est un peu large, Isabelle, si pour la prochaine fois, tu peux... Ma question sur le conflit d'intérêts était très précise, je peux t'en apporter lecture. Non, mais ça, en plus, j'ai répondu par écrit. Non, c'était pas... Si, je m'en souviens, parce que j'étais même en vacances. Non, mais le fait de répondre à côté n'est pas une réponse à la question. Tu m'as réécrit, mais tu n'as pas répondu. Je t'ai apporté une réponse précise. Donc, je n'ai pas la réponse au point du conflit d'intérêts. Si ça concerne le fonctionnement de la commission... d'appel d'offres, eh bien, pour les collectivités territoriales de moins de 3500 habitants, le maire ou son représentant, président et 3 membres du conseil municipal élus en son sein, la représentante, alors attendez, que je ne dis pas de bêtises, pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l'exception des établissements publics sociaux, médico-sociaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Ces commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivants. Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3500 habitants, le maire ou son représentant président, les membres du conseil municipal élus en son sein, la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé selon les mêmes modalités à la désignation et à l'élection du suppléant en nombre égal à celui des membres titulaires. Donc la commission d'appel d'offres constitue une instance de décision pour l'attribution des marchés formalisés, comme les appels d'offres, les procédures négociées, dialogues compétitifs, concours. En revanche, elle n'est pas obligatoire pour les procédures adaptées, donc ma part. Ce qui ne répond pas à la question que j'avais posée et que je souhaiterais pouvoir lire. Non, j'ai les questions que tu as posées quand ? La question sur le conflit d'intérêts à l'occasion d'un des marchés que nous avons validé lors du dernier conseil municipal. Ben, écoute, la question tu ne l'as pas posée là, donc tu la poseras pour le prochain conseil. Je te l'ai posée par écrit. Ben, je t'ai répondu par écrit. Mais voilà, tu m'as répondu. Voilà. La réponse que tu m'as apportée... La réponse ne te convient peut-être pas, mais j'ai répondu à ta question. Donc il faut que je repose tous les mois la question. Non, parce que je n'y répondrai pas, je t'ai déjà répondu Isabelle, c'est bon, on ne va pas jouer. Mais ce n'était pas ma question, tu as répondu à une question. La question, toutes les questions écrites déjà soumises par écrit à la maire, obligation du maire, conflit d'intérêt. Donc je ne vais pas répondre, je ne vais pas passer mon temps à répondre aux questions auxquelles j'ai déjà répondu. D'abord, ce que je note, c'est qu'il n'est pas possible de lire sa question en conseil municipal. Donc on a que la réponse, mais on ne sait pas à quelle question. Et la liberté d'expression du conseiller municipal, c'est quand même de mais pouvoir c'est bien ta liste de questions poser que ces questions. Par mail. Oui, voilà. Mais cette question, je ne l'ai pas recopiée. Il aurait fallu que je la recopie. Oui, je te rassure, il n'y a pas d'erreur, parce que je n'y aurais pas répondu quand même, vu que je t'ai déjà fait une réponse. Qui n'était pas une réponse à la question que j'ai posée. Bon, alors, question numéro 7. Explication de la démarche. Non, j'ai pas le texte, mais ce n'est pas une Faut écouter. Alors, explication de la démarche de modification du PLU et prestations fournies par le cabinet en charge du projet, rôle de la commission d'urbanisme. Bon, c'est pareil, c'est encore une fois très général. Il me semble que la commission d'urbanisme élargie a été invitée à une présentation du PLU par le cabinet. Donc voilà, je ne comprends pas à nouveau la question. On va pas passer notre temps à revenir sur des sujets qui ont déjà été traités. Alors, j'aimerais comprendre quelle procédure a été engagée pour la modification du PLU, le nom de cette procédure. Ben, tu vois que tu sais faire des questions simples. La prochaine fois, tu me poses des questions précises comme ça. Ça a déjà été expliqué. Ça a été dit 40 fois. Mais, bon. Mais si je pose la question, parce qu'il y a eu plusieurs informations, mais contradictoires. Mais non. Je ne comprends pas. Non. Vous avez été. En plus, c'est carrément Madame Nitschke qui est venue vous expliquer ça personnellement lors d'une réunion de la commission d'urbanisme élargie à tout le conseil. J'ai le droit de ne pas comprendre du premier coup. On a tous le droit à l'erreur ou à la bêtise, peut-être, peu importe. Oui, mais moi, je ne vais pas passer mon temps à répondre aux questions auxquelles on a déjà répondu. Donc là, pour le coup, je demande juste quelle est la démarche. Alors, question numéro 8. Travaux, école. Je n'ai pas dit, je ne sais pas ce que j'ai dit. C'est pas dans les questions. C'est pas dans les questions. Élargi au conseil municipal. Et c'était quand ça ? C'était une réunion à laquelle vous n'êtes pas venu. Voilà. Il y avait le conseil municipal, donc je n'étais pas représenté. Donc si je suis pas venu, si je suis là, je suis convoqué, je viens. C'était. Non, vous n'êtes pas venu. C'était une réunion à laquelle les élus étaient invités. D'accord. À laquelle 14 représentants du conseil municipal sur 15 étaient présents. Mais vous n'étiez pas venu. Vous n'êtes pas venu. Allez, on passe à la question suivante. Travaux école. Application des pénalités de retard et montant. Bon, alors les travaux ne sont pas terminés, notre grand regret soit, c'est sûr, mais montant des pénalités, on verra, c'est un peu prématuré d'en parler, vu que le chantier n'est pas terminé. Achat de la maison Martin, j'ai répondu. Travaux menés avec le PFY, j'y ai répondu. Le rapport relatif à la mutualisation des services au niveau de l'intercommunalité. Alors là, pour le coup, il y a eu une délibération du Conseil communautaire le 18 mars qui a approuvé la méthodologie pour réaliser le schéma de mutualisation des services. Le bureau communautaire, le 29 juillet 2015, a validé le principe d'organisation en vue de l'élaboration du schéma de mutualisation par la création de 6 unités territoriales cohérentes qui ont été 4 à 6 communes afin de réfléchir aux mutualisations possibles et à l'élaboration d'un questionnaire propre à leur périmètre.
à chaque unité correspondra un groupe de travail et création d'un comité de pilotage synthétisant les informations et proposant un schéma de mutualisation. Les communes, alors ça c'est tout récent, ça date de la semaine dernière, ont dû désigner un représentant élu et un représentant de l'administration afin de siéger au sein de chaque groupe de travail. Donc les groupes de travail ne se sont pas encore émis. En ce qui concerne Saint-Rémy, pour l'élu c'est Patrick Ratel et pour le représentant de l'administration c'est Carole Picot. Voilà. On aura la réponse écrite dans le compte-rendu. Quand ça démarrera, vous aurez davantage d'informations. Rénovation du foyer pendant l'été, respect des normes de sécurité relatives aux établissements recevant du public. Donc, c'est quoi les normes de sécurité par rapport à quoi? De quoi tu veux parler? Je ne sais pas, je m'interrogeais sur l'existence des normes de sécurité liées à ce type de bâtiment et sachant que les travaux ont été faits par les conseillers, ce qui est très bien. Est-ce qu'on s'est assuré qu'on on respectait ces règles? Sur la peinture, sur les rideaux, parce qu'en fait, on n'a fait que de la peinture, que du rafraîchissement, c'est juste de l'entretien. Non, c'est bien. Bravo d'ailleurs à ceux qui l'ont fait. Alors, ensuite, ce que coûte réellement la commune à création du poste à temps plein du directeur de la ville, périscolaire et du développement socio-culturel, écart entre ce qui est versé par la commune et les aides de l'État, 94% du SMIC sur la base de 26 heures hebdomadaires, point sur la valeur ajoutée apportée à la collectivité. Donc, concernant le poste de Denis Verscat, le point financier, on le fera à l'issue de la première année, pour répondre à ta question concernant le coût pour la commune. Et concernant le point sur, j'imagine que tu veux dire si je suis ou pas satisfait de son travail. Oui, hein, si elle répond, ben, ça c'est purement managérial. Donc, sur ce point-là, je ne répondrai pas parce que pour le coup... Enfin, je ne pensais pas à l'individu, mais à la création du poste. Quel service ça apporte à la commune? Et puis un contrat d'insertion, malgré tout, vous avez fait quelques comptes à rendre sur la bonne insertion. Alors, donc pour le coup, sur cette partie de la question, j'ai pas de réponse. L'objet de ma question n'est pas d'apporter un jugement sur la personne, mais sur le service apporté à la commune. Encore, est-ce que c'est mieux? Oui, dans la mesure où, sur la casquette... développement socioculturel, bon, ben forcément que ça a apporté un plus dans l'organisation notamment de la fête du village, entre autres. Et puis, c'est quelqu'un qui fait le relais entre les associations, qui est présent, qui est sur place. Donc, de toute façon, c'est bien toujours bien plus efficace dans les relations entre la municipalité et les associations. Et puis, en fait, en ce qui concerne sa casquette, ben, sur place. Je fais quelques activités associatives à Saint-Rémy. Ah, vous n'avez pas de chance. Ah, mais concernant sa casquette de directeur, on va dire, de l'équipe périscolaire, bon, voilà, il était nécessaire qu'on ait, on va dire, un responsable sur place, parce que Corinne Bourdon était sollicitée plusieurs fois par jour pour régler les problèmes. Donc là, pour le coup, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup dans ce domaine et qui aussi fait un lien qui est dans la relation entre l'école et la communalité et la municipalité. C'est vraiment l'interlocuteur direct de la directrice de l'école, par exemple, pour faire le lien entre eux, même ce qui se passe au niveau de la garderie, du centre de loisirs, puisqu'on occupe les mêmes locaux, et la municipalité. Donc ça réglait un certain nombre de problèmes de communication entre les cas. Ensuite, bilan des actions du comité consultatif pour le contrôle des permis de construire et autorisation d'urbanisme créé sur la délibération du conseil municipal en avril dernier. Donc le conseil consultatif, on a vraiment fait une réunion de démarrage en définissant bien le rôle et de la commission d'urbanisme et du comité consultatif pour en septembre, le lundi 28 de mémoire. Et là, ce qu'on vous fera en fin d'année, c'est un bilan du travail qui aura été fait par le comité consultatif. Parce qu'ils auront des sujets bien précis qu'ils devront aussi traiter. Concernant. Est-ce qu'on va avoir les membres?
Oui, on l'était, on l'a déjà eu. Vous allez voter C'est en avril. Alors, avancement du projet d'aménagement des... non, j'en oublie un. Non, c'est ça. Et l'avancement du projet d'aménagement des abords de la rue 34. J'ai oublié une question ? Non. Non, non, c'est la piste. Avancement du projet d'aménagement des abords de la rue 34, ben c'est tenté. C'est toujours en cours, j'ai rien de plus, rien de particulier à vous dire sur ce sujet-là. Voilà. Donc. Il semble que vous ayez d'autres questions reçues préalablement. Non, je ne crois pas, non. Le 11 octobre 2015, je vous ai un certain nombre de questions qui intéressent d'ailleurs certaines questions des gens. Mais je vous ai dit tout à l'heure que vous m'avez adressé vos questions 24 heures à peine avant le conseil municipal. Vous comprenez qu'en recevant une convocation le jeudi soir. Ben, Madame Réfléchir n'a pas eu problème de vous dire. Réfléchir a des objets, et puis tiens, aussi, et moi, je n'ai pas le même temps. Mais encore, elle est très bien. Mais donc, est-ce que vous pouvez juste nous dire, si vous êtes bien, je refuse de répondre aux questions posées. Affirmez-nous que vous refusez de répondre aux questions posées au préalable par les conseillers. Alors, c'est pas ça le problème, monsieur Jacot, c'est que comme je respecte à la lettre les délibérations qui sont prises, quand j'ai vu que vos questions sont arrivées le 12 octobre, je ne sais plus, la nuit, je crois, je ne les ai même pas lues, vos questions. Le 11 octobre. Pardon. Mais moi, quand je reçois une convocation le vendredi, je ne suis pas forcément là le week-end, sachez-le. Écoutez, moi, je me rappelle que les délais que m'a posé là. Est-ce que vous pourriez juste répondre à une question ? C'est un enfant, c'est un ami qui m'a posé. Non, je ne répondrai pas à vos questions. Donc, la question concernant les réponses aux questions posées étant maintenant terminée, je lève la séance. Alors, je vous remercie à tous. Bonne soirée. Je voudrais avoir la copie des délibérations qui sont prises ce soir. La copie des délibérations qui sont prises ce soir. Qui ont été donc prises ce soir. Ce sont des projets consignes, pourquoi c'est pas possible ? Parce qu'elles ne sont pas mises en forme. Vous avez voté des délibérations qui sont prises. Oui, mais bon, elles ne sont jamais mises. Les projets ont été approuvés, les projets sont mis en forme le lendemain. Donc ce soir, vous ne pouvez pas remettre des délibérations pour lesquelles vous avez demandé. Vous ne pouvez pas trouver la main en forme. Il y a des mises en forme, je veux dire, parce que voilà, je veux dire, ça prend un certain temps de... Non, mais on vous soumet un projet qu'on valide théoriquement, il se dit, voilà, il est important de la modifier, de l'imprimer dans le bureau. Oui, bien sûr, sauf que moi, je travaille sur un logiciel spécifique, qui m'oblige à rentrer ces certains éléments. Et il faut signer. C'est pas un document Word, c'est un logiciel... À l'issue de la séance, on ne peut pas donc avoir le texte et les versions qui ont été... On a 8 jours pour les afficher, les délibérations sont posées en sous-préfecture pour les questions des dettes. Christian, tu n'oublies pas de signer, s'il te plaît. Je précise, la séance est levée. Merci à tous, bonne soirée. 23h,